Ok, somme en live depuis 8 secondes. Nous sommes un peu en Voilà, retard. c'est signal. On Ça, c'est attend que signal, les ouais. autres se connectent. Je crois juste que là, il y aura déjà, les gens seront connectés bientôt. Et on va donc commencer. Allez, esclave. Allez, esclave. Bon, il y a les gens qui aiment souvent jouer la musique en attendant, si tu veux, si c'est le cas chez toi. Moi, j'ai pas de souci, c'est ton live, donc tu fais comme. Fais Non, comme. c'est pas mon live, c'est notre Non, c'est que je suis pas encore acteur public. Hein? Je suis pas encore acteur public live. à votre rythme là. Non, Je suis encore laisse. en sous-marin, je suis encore en sous-marin. C'est toi qui me Non, fais sortir de temps en non. temps. Voilà, sortir ma tête là, quoi. Nicolas est là. Bonsoir. Salut Nicolas. J'espère que tu vas bien. On attend que d'autres personnes se connectent. Comme nous, on a commencé, j'ai commencé un peu en retard et on va lancer. Je crois, si je me rappelle bien, Nicolas, tu peux peut-être confirmer. Je crois qu'il est cardiologue au Congo, un truc comme ça. Il est camerounais. Il voulait venir pour une subspécialité, si je ne me trompe pas. Une subspécialité en Allemagne. Il est déjà spécialiste. Je pense bien. Oui, je Si crois c'est cela. il y a la reconnaissance de médecins étrangers, mais il va toujours compléter parce que ils auront forcément peut-être le temps de faire certaines. Parce qu'ils ont il y a le carnaval, non? Tu as ça, c'est tellement d'actualité. Le carnaval. Pour la Il doit faire spécialisation. voilà, il doit faire une équivalence et tout. Donc, voilà. Bon, Donc, ça. généralement, peut-être le seul problème que j'ai vu chez les spécialistes ici qui font les cours, c'est peut-être que pour préparer le phage, pas pris fond, voilà, ils doivent peut-être repartir et apprendre certains trucs qu'ils n'ont pas eu à faire depuis, voilà. Ah, ok. Mais voilà, exactement, généralement, c'est parce que Il peut-être a dit qu'il n'est pas quelqu'un qui a ça. fait cardiologie depuis ici, du jour au lendemain, OK, il est au Burkina Faso. Si du Le jour au Burkina. lendemain, si du jour au lendemain, par exemple, tu dois venir faire le phage profond et que ton cas, c'est un cas peut-être de marine carcinome, du cancer de l'estomac, tu vois que le vocabulaire qui tourne tout autour, le temps de te réapproprier ça. En fait, c'est souvent ça. Mais sinon, c'est faisable, quoi. C'est faisable. Oui, je Comme j'ai pense. dit, une fois que tu as réussi le phage profond, tu postules. Tu commences à avoir tes lobnis, ça va lui permettre d'observer même généralement quelle est la sous-spécialité réelle qu'il veut faire. Si possible dans les hôpitaux où on fait de la cardiologie, par exemple ici, dans une ville à côté, à Saarbrücken, là, il y a un centre de cardiologie, là, le nom m'échappe. Mais là-bas, ils ne font que la cardiologie, ce n'est qu'un hôpital, ils ne font que la cardiologie. Voilà, ce genre d'hôpitaux, là, il peut exactement avoir un poste là-bas et faire tif, pour approfondir son cursus, quoi. Trop de mots-clés. Ok. En tout cas, tu as compris que c'était possible, donc. Mais combien, il est en spécialité cardiologie au Burkina. Combien de temps il te reste donc pour finir, Nicolas? Et c'est comme ça dure combien de temps au Burkina Faso, la spécialité en cardio? Est-ce que c'est 5 ans, 7 ans? Ça dure combien de temps? Ça devrait normalement être Je là-bas. pense que tu veux faire une subspécialité. Bon, tu fais médecine interne. Tu vas faire médecine interne cardio ou médecine interne gastro ou médecine Je fais médecine interne interne. d'abord jusqu'au Kenis Prifou. Après, on voit. Après, je peux continuer en cardio, comme je peux dire que je change parce que voilà, je peux dire que je fais chirurgie ou bien je peux dire que je fais un truc. Il faut savoir que j'ai encore la possibilité de changer comme j'ai la possibilité de continuer. Parce que déjà, l'ordre m'envoie quand même les documents des Vorbildung, tu vois. C'est-à-dire que je peux commencer à faire certains cours ou bien certains séminaires de spécialisation. Oui. Qu'après le Kenis Prifo, je vais faire reconnaître une fois dans la continuité de la cardiologie. Comme je peux dire après que, bon, vraiment, médecine interne m'avait aidé à avoir le Kenis Prifo. Après, bon, je vais voir ailleurs. Donc, c'est comme ça, en fait. C'est ça. C'est comme ça. Ils vont reconnaître combien de temps parce que tu as fait avec le bureau, c'est l'OPNI, c'est 6 mois ou bien ils vont reconnaître un peu plus que ça. Non, on reconnaît le temps que tu as passé. On reconnaît le temps que tu as passé. Parce que le bureau phénomène est limité sur 2 ans.
Donc, s'il y a un an, tu as fait le tennis profond que tu as eu. En fait, c'est le temps d'effort building que tu as eu à faire, là, en fait. C'est ça qu'on cumule, en fait. Voilà. Comme là, Mais je j'ai dis, eu à faire. disons par exemple, tu fais médecine interne et Oui. avec ton BEUF, c'est l'ordre qui est limité en 2 ans et tu as ton Kennis pour fond après 1 an. Si après ça, tu décides de faire neurologie par exemple, est-ce qu'ils Oui. vont reconnaître les 1 an que tu as fait en médecine interne ou bien ils vont seulement reconnaître 6 mois? Puisque quand Maintenant, tu faisais non. ça, tu n'avais pas. Maintenant, non, non, maintenant, ça dépend. Ça dépend. Si, par exemple, j'ai fait si je veux continuer en cardiologie, par exemple, parce qu'il y a un cursus de médecine interne avant de l'approfondir en cardiologie. Tu vois un peu. Donc, Attends, si j'ai fait. il y a quelqu'un qui me dit par WhatsApp qu'il ne voit pas le live sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi. Si, le live, c'est là. Le live est là. Oh, le YouTube m'a signalé que tu étais en live, donc. Ah, OK. Bon, je vais lui demander de réactualiser. OK, désolé, Richard. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Je disais quoi? Qu'est-ce que je disais encore? Voilà. Si dans mon cursus, parce que il y a, je sais pas comment on appelle ça, c'est le nom qui m'échappe là. C'est la liste que Le catalogue. le catalogue, il manque que l'ordre des médecins te fournit. Si ce que tu as eu à faire va dans le riche tour, va dans la direction de ce que tu veux faire par la suite, on peut reconnaître ça. Mais dis pas, par exemple, tu vas aller faire gynécologie, et on va me dire que même Bill donc fait en cardiologie vont m'aider, par exemple. OK. Bon, Il y a le nom du centre de Zabruck, de Zabruck, là, je n'ai pas ça en tête. Tu peux m'écrire sur, vous pouvez m'écrire sur Facebook. OK, sur la Ou page, je bien crois sur la qu'il page, ou connaît bien dans le groupe, ou bien dans la le groupe, je peux rappeler encore, voilà. C'est S-S-H-G. S-H-G. Le nom m'échappe, mais c'est un centre vraiment spécialisé. Parce que le collègue camerounais avec qui je suis là-bas, je suis ici à l'hôpital, voilà, page. il était par exemple à ce centre-là. Voilà. OK. Voilà. Avant de venir continuer chez nous. OK. Ok, je crois que c'est bon. Il s'est retrouvé apparemment maintenant, il voit. OK. D'accord, maintenant ça va. Ok, il y a déjà quelques personnes qui sont connectées. On va commencer et le reste, ils vont nous joindre par la suite. Si OK, c'est j'ai ok. même pas signalé, c'est passé dans le groupe là, j'ai signalé que le live débutait là. Oui, mais je crois que celle avec qui je gère le groupe a dû signaler quand même, je suppose. Ah, OK. Bon, c'était prévu pour 19h Central European Time. Donc, je crois que ceux qui sont intéressés sont connectés. OK. OK. Bonsoir, les collègues. Bonsoir à vous tous. Bonjour, la Mecque. Bonjour, Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, belle amie. Les questions, on va les prendre tout à l'heure. Et déjà, bienvenue sur le live, un autre live sur la spécialisation, mais avec des sous-thèmes qu'on va traiter, qu'on n'avait pas encore eu à traiter jusqu'ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, 2 mots sur ma personne. Moi, c'est Dr. Letty. Je suis médecin gynécologue, obstétricienne. En fait, après mon baccalauréat scientifique dans mon pays d'origine, qui est le Cameroun, je suis donc venue en Allemagne où j'ai étudié médecine et là, je suis en spécialisation gynéco, comme je disais. Et l'intention, le but pour ce genre de vidéo, encore ce genre de live, ce genre d'échange, c'est pour vous informer sur la procédure de spécialisation pour ceux qui n'ont pas étudié ici, pour ceux qui ont étudié ailleurs et qui sont intéressés par une spécialisation en Allemagne, par exemple, puisque le monde est devenu un village planétaire et c'est possible d'acquérir certaines spécialité, si on a la possibilité, si on a l'opportunité, pourquoi pas. Je vais directement passer la parole à Richard parce que c'est exactement le contraste, c'est exactement l'exemple. Et c'est pour ça que j'aime trop faire les lives avec lui parce qu'on a directement l'expérience, on a directement ce par quoi il est passé, son parcours. Et là, vous pourrez vraiment beaucoup apprendre. Donc, Richard, on t'écoute. OK, moi c'est voilà, docteur Richard Pollock.
Voilà, mon parcours, il est assez simple. Hein. Après le baccalauréat scientifique au Cameroun, j'ai fait l'étude de médecine au Cameroun, à l'Institut supérieur de technologie médicale. Après, j'ai travaillé environ 2 ans au Cameroun et après, voilà, j'ai étudié la langue, j'ai fait mon interview, je suis arrivé en Allemagne. Arrivé en Allemagne, j'ai continué avec les cours de langue spécialisés. Voilà, donc 2, 3 mois de cours. Après, j'ai fait mon premier stage. Mon premier stage, et après, j'ai dû attendre, voilà, pour faire les dossiers, envoyer à l'ordre des médecins, tout ce parcours. Et parallèlement, voilà, j'ai encore eu à refaire des cours de langue pour ne pas, voilà, perdre le rythme, faire d'autres stages, faire le bénévolat à l'hôpital, voilà, pour enrichir mon niveau de langue. Voilà. Et après, j'ai reçu mon examen de langue, et depuis quelques mois, voilà, je travaille dans un hôpital, voilà, comme assistance, comme médecin en spécialisation, si on peut dire, voilà, et avec le permis de travail. Tu as passé l'étape FSP, comme on dit, fâche parcours. Voilà, Là, tu as voilà, ton boulot, c'est l'OPNIS, tu travailles avec voilà. comme médecin interne, comme on dit en français, en préparant ton quintenis profond. Au fond, exactement. OK. Les points du live de ce soir, je les avais déjà, Richard et moi, les avais déjà énumérés sur la page. En fait, on veut parler des points. Pas trop le côté bureaucratique, pas trop le côté administratif. On veut parler des points tels que les stages, l'hospitation, quand on dit souvent gas-art et tout. Comment est-ce que ça se passe? De quoi est-ce qu'on a besoin pour faire ça? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est rémunéré ou pas? Donc, toutes vos questions sont entendues sur ces points-là. Si vous vous êtes déjà assez informé, si vous n'avez plus de questions, c'est aussi bien. Ensuite, on aimerait parler de l'internat, c'est-à-dire quand on est médecin interne. Ça, c'est l'étape qui vient quand vous avez donc eu l'approbation allemande, c'est-à-dire quand vous avez passé le Kenntnisprüfung, ou alors quand vous travaillez avec le Beruf, c'est là, ça, c'est l'un ou l'autre. Bon, c'est juste la différence qu'il y a entre le fait d'être en hospitation ou le fait d'être interne. Après, on va parler des relations avec les collègues et avec les patients. On ne va pas ignorer que c'est une autre culture. Je ne sais pas s'il y a ceux qui sont peut-être nés ici. Bon, si vous êtes nés ici, vous avez étudié ici, c'est que vous n'appartenez donc pas à la niche de ce à quoi cette vidéo s'adresse. Donc, ça veut dire qu'il y aura donc cette différence de culture avec les collègues, avec les patients. Ça aussi, on va en parler. Ceux qui ne sont pas encore sur place, peut-être ils sont aussi intéressés de savoir comment est-ce que ça se passe là-bas. Est-ce que c'est exactement la même chose? On va donc en parler. Et les différences culturelles, ça revient un peu à la même chose, l'intégration, tout ça. Donc, ce sont les points qu'on aimerait parcourir avec vous ce soir et vos questions sont les bienvenues. C'est ça. Mais Richard, avant qu'on ne commence, Richard, moi, on aimerait juste insister sur un petit point. Et c'est le fait qu'on reçoit des questions sur des thèmes qu'on a déjà eu à traiter. Énormément, énormément, énormément de questions. D'où la question de savoir si les gens vraiment prennent la peine, c'est-à-dire peut-être de suivre les lives, notamment ce que l'auteur Lutti fait, ou bien Les les textes. publications, les textes que j'écris de temps en temps dans la page des médecins africains en Allemagne ou camerounais en Allemagne, parce que j'essaye quand même d'aller dans les détails. Et si je tout le temps, parce que beaucoup de gens m'écrivent en inbox, et c'est pas parfois évident parce que il y a l'hôpital, il y a les gardes, voilà, il faut récupérer et tout. C'est pas évident de répondre, c'est pas évident de répondre à toutes les questions. C'est pour ça que généralement, ceux à qui je réponds, parce que parfois j'envoie un message pour répondre, et j'en demande généralement aux gens de poser des questions dans le groupe pour que je puisse répondre une fois, et que ceux qui viennent après, quelqu'un est dans le groupe avec plus directement, voilà, relis, et les questions, bien les problèmes restent les mêmes en fait. Voilà, donc je ne peux pas tout le temps détailler parce que généralement, quand j'écris à quelqu'un une fois pour répondre, j'ai remarqué qu'une autre question arrive, une autre question arrive. Donc, je renvoie généralement les gens dans le groupe, encore qu'il n'y a pas plus de 100 publications, je veux dire. Donc, c'est structuré quand même les points par point. Donc, les gens ont vraiment la chance de pouvoir lire et de comprendre et de noter exactement parce qu'il faut aller pas à pas. Et comme j'ai dit, les lois changent, c'est-à-dire chaque mois ou bien chaque année en Allemagne. C'est-à-dire que Dynamique, c'est vrai. ce qu'on faisait quand je suis arrivé, on ne fait plus ça aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui, on ne va pas faire demain. C'est pourquoi je dis, il faut aller étape
par étape. C'est-à-dire, tu ne vas pas me dire comment est-ce que je fais. Non. J'ai cité les documents. Est-ce que tu as tes documents? C'est le premier point. Est-ce que tu as fait ta langue? Ça, c'est le premier point. Donc, ça ne sert à rien d'avoir peut-être avoir tes documents sans avoir fait la langue. Puisque, si tu as eu tes documents en faisant la langue, on va te dire que ces documents-là sont dépassés et qu'il faudra autre chose. Donc, c'est autant d'informations que j'ai. Quand les gens me reposent des questions sur lesquelles j'ai déjà fait les thèmes, en fait, si j'ai thématisé, c'est un peu compliqué. C'est un peu Oui. compliqué. En fait, collègues, quand vous revoir certains points, revoir certaines vidéos, c'est pas que on ne veut pas répondre aux questions, mais les questions sont tellement générales, c'est pas comme si c'était une question spécifique. Une question du genre, je prends l'exemple là. Fortuite comme ça, je suis intéressé par la spécialisation en allemand. Je fais comment? En allemand, là, ça marche comment? Quand même, je vais commencer comment pour vous répondre à une question comme ça. La réponse à une question pareille m'a pris c'était une vidéo de 2 heures. Et je ne vous dis pas combien de temps ont été investis dans la préparation. Donc, si vous prenez le temps déjà pour regarder ce qui a été fait jusqu'ici et de là ressortir dans des questions bien spécifiques. Alors, c'est sans souci, on en parle. Et peut-être, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais sachez que la mentalité, dépendamment des pays où on est originaire, je sais qu'il y a souvent une mentalité du genre, j'ai mon dossier. On donne un peu, on te donne quelque chose et puis on dit, j'ai mon dossier. Ce n'est pas Bien notre évidemment, c'est un point important. C'est un point important que tu objectif. sembles. C'est un point important. Je vais te couper. C'est un point important que tu soulèves là parce que moi je dis qu'on n'essaie pas de mystifier la chose en fait. Qu'on n'essaie pas de mystifier la chose. Juste avec Google, Google Chrome, tu peux traduire les pages. C'est-à-dire que c'est en allemand, tu lis en français. Parce que généralement, les gens, moi aussi, ça, les gens me l'ont proposé, comme je rappelle quand je faisais mes dossiers, là, ils me disaient, oui, je vais te trouver la place dans un hôpital en Allemagne, je vais te trouver X ou Y. Mais enfin, il n'en est de rien parce que ce n'est pas eux qui décident de te donner la place. Voilà. La place, là, c'est que tu vas venir t'asseoir, tu vas faire ton interview avec le médecin-chef. Le médecin-chef, et il y avait la direction du personnel qui va décider si on te prend ou pas. Ce n'est pas quelqu'un. Et à la fin, tu te rends compte que c'est généralement les gens qui vont te parler de ça dans les soins infirmiers, peut-être parce que eux, ils ont les relations avec les écoles et ils veulent faire un parallèle avec le cas des médecins. C'est pas la même chose. Donc, que personne ne dise qu'il va gérer ton dossier. Tu envoies ton dossier à l'ordre des médecins par la poste. Ils reçoivent, ils vont t'envoyer la lettre qui te dit, il vous manque X ou Y. Complétez X ou Y. Si tu as un problème, tu écris même en français, tu traduis sur Google. Même si c'est avec les fautes, tu envoies ton mail. Moi, j'envoyais mes mails avec quand je relis ça, il y avait tellement de fautes, mais on prenait la peine de me répondre, de me dire, complétez ça, 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 ça. Moi, je trouve ça assez simple. Et ça te fait gagner en temps, ça te fait épargner de l'argent, parce que généralement, c'est ces gens qui vont te dire, on va gérer ton dossier, c'est moyennant un prix. Zéro garantie. Et Voilà, voilà, et c'est zéro garantie. quelque chose. Donc, ça, c'est un processus que vous pouvez faire vous-même. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un va rester à faire pour vous. En tout cas, pas moi et pas le docteur Pollock non plus. Nous sommes médecins à plein temps. Et on fait ceci juste pour vous aider parce que le docteur Pollock, il racontait son histoire, mais le calvaire par lequel il est passé pour avoir certaines informations, surtout que les informations sont en allemand et ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas le français, pas une langue qui est aussi accessible. Donc, prenez la peine de vous informer vous-même. Comme je dis, la bureaucratie, c'est le côté un peu lourd ici, c'est un peu difficile, mais ne vous attendez pas à ce que ça soit facile ou bien quelqu'un est là où vous allez donner de l'argent, on va gérer votre dossier et tout va aller. Non, j'ai ma personne qui gère. Non, laissez Non, la main. je peux comprendre la difficulté, les peurs, les craintes. C'est pourquoi, en fait, on a ouvert le groupe. Je me suis dit qu'en fait, moi, je vais. Les difficultés que j'ai eu à avoir pour avoir accès aux informations, parce que c'est l'information qui est la plus importante ici en Allemagne. Si tu n'as pas l'information, tu peux passer à côté de plein de choses, en fait. Pas l'agence, c'est l'information. Donc, si j'ai fait le groupe, c'est pour publier les actualités, ce qu'il faut, pour que les gens ne se disent pas que c'est. C'est impossible de le faire. Parce que moi-même, à l'époque, on me disait que c'était impossible de faire. Moi, j'ai fait tous mes documents seul. Donc, c'est possible de le faire. Et aujourd'hui, moi, je dis, je donne mon expérience, je partage ce que je connais, les informations que je peux avoir. Parce que c'est souvent difficile pour les personnes d'aller suivre même les conférences où on explique. Parce que moi, je suis souvent les conférences du Mabou qui explique certains trucs. Et je me dis qu'il y a des gens, certainement, qui sont encore au pays, ils ne maîtrisent pas cette langue. Moi, quand j'ai une information, je dis OK. Aujourd'hui, voilà ce qu'on demande pour le stage. Aujourd'hui, voilà ce qu'on demande
pour X, pour Y. Et je partage, en fait. Parce que je sais que si nous, on ne le fait pas, les autres communautés ne vont pas le faire. Et j'attire l'attention que si nous, on ne se met pas pour se passer des informations entre nous, les autres communautés ne vont pas le faire parce que moi, je sais de quoi je parle. Voilà, j'ai fait des cours avec les gens de différentes nationalités. Et voilà, nous, on était toujours les derniers petits vilains canards parce que généralement, tu es le seul noir. Ou généralement, tu es le seul noir. Parce que d'autres Africains que tu vas même trouver, généralement, eux aussi ont peut-être déjà leur groupe avec qui partagent des informations. Donc, si nous-mêmes, on ne cherche pas à s'informer et à avoir la bonne information, à partager entre nous, parce qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Ça, Oui, ça. je réponds, il y a de la place pour tout le monde. Donc, je OK. passe les informations que je peux. Et généralement, s'il y a des questions qui reviennent, comment ça se passe dans telle langue, comment ça se passe dans telle langue, je ne peux pas répondre à ces questions-là parce que je dis aux gens, c'est un pays fédéral ici. Et chaque État a sa loi. Indépendant. Je ne peux que prendre les informations, je peux que donner les informations de les informations sur de l'État dans lequel je suis. Et maintenant, en fonction des différents groupes WhatsApp dans lesquels je suis, parce que je suis dans différents groupes où je me dis qu'il faut avoir les informations de ces différents groupes parce que je peux avoir des collègues qui sont dans telle ville ou bien dans telle langue et ils auront besoin de ça en fait. Je peux te donner une information superficielle, mais l'information profonde, tu devras peut-être la fouiller. Et si tu as une question spécifique, moi peut-être parce que je connais peut-être la documentation mieux que toi parce que peut-être tu es encore pays, je peux te dire, OK, ça, c'est ça. Mais je ne peux pas te dire, cela traite des documents plus que cela. Je ne peux pas te dire parce qu'il y a, de cela 1 an et demi. Dans le Niedersachsen, les demandes pour avoir un rendez-vous, ça durait de minimum 2 ans. Maintenant, c'est 6 mois. Donc, qu'est-ce qui nous dit que dans 3 mois, ça va? Donc, c'est simple. Parce que Change. généralement, les questions viennent, ça se passe comment dans telle langue, comparé à telle langue. Je ne peux pas dire dans tous les détails parce que je n'ai pas envoyé mon dossier là-bas, en fait. Ce qui se passe dans le Bayern, c'est différent. Par exemple, dans le Bayern, à cause du coronavirus, ils ont dit qu'on peut travailler même simplement avec le B2. Dans le Bayern, on peut travailler avec le B2. Tu n'as plus besoin de faire l'examen. Tu peux travailler avec le B2. À Brême, tu peux travailler avec le B2. Mais à Brême, c'est un petit état, il y a très peu d'hôpitaux. Dans le Bayern, maintenant, tu peux travailler avec le B2. Mais si tu avais déjà envoyé tes documents avant la période du Covid, donc c'est les informations que si tu n'as pas, tu vas entendre qu'on travaille avec le B2, tu vas prendre tes documents d'un land, tu vas renvoyer là-bas et après tu vas avoir l'information. Et pour qu'un document, quand tu as déjà refusé ton document, tu as déjà dit que tu veux retirer ton document d'un land, c'est minimum 3 mois. Pour arriver dans un autre land, c'est encore du temps et tu vois que tu as perdu. Et si tu dois maintenant recommencer à préparer le FSP au Bayern, les sujets du Bayern sont différents des sujets qu'on traite au SN, sont différents des sujets qu'on traite. Donc, voilà, c'est autant de choses. En tout cas, l'information est accessible et Les informez-vous. questions spécifiques qu'on peut répondre, mais vraiment généraliste, là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas encourageant en tout cas. Compliqué. Ok, Richard, on va donc passer dans le but du live. Et surtout, les amis, n'oubliez pas de partager, de liker. Comme Richard dit, il y a de la place pour tout le monde. Partagez l'information, que les gens soient informés. L'hospitalisation, les stages. Richard, comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour toi? Et est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est obligé de faire? À quel moment est-ce que ça doit être fait? Et c'est quoi d'abord? Le stage où on appelle ça jamais ici en Allemagne, hospitation. Hospitation, voilà. Les stages, c'est un peu comme un stage d'observation. Un stage d'observation dans lequel, observation aussi entre guillemets, un peu, ça dépend des hôpitaux, mais jamais c'est un stage d'observation tel que décrit par la loi où tu vas venir à l'hôpital, tu vas observer, tu vas voir comment se passe le séjour, le quotidien des médecins à l'hôpital, tu vas voir les gestes qu'ils font en fonction du service dans lequel tu seras, tu vas voir. Comment est-ce qu'ils mènent la journée? Quelles sont leurs activités? Le matin, qu'est-ce qu'on fait? L'après-midi, qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on prend la pause? Après la pause, quelles sont les priorités? Quels sont les examens qu'on regarde? En fait, comment est-ce que ça se passe à l'hôpital, quoi, le quotidien de l'hôpital? Donc, maintenant, en fonction des services dans lesquels tu seras, en fonction du personnel avec lequel tu vas travailler, ou bien en fonction des hôpitaux dans lesquels tu vas travailler, que ce soit une réa clinique, que ce soit un hôpital normal, voilà, que ce soit dans d'autres services, tu pourras faire en fonction de la confiance qu'on va t'accorder, en fonction de ton niveau de langue, en fonction
du feeling avec le personnel, quoi. Tu pourras être amené à faire certaines choses, c'est-à-dire à prélever le sang, si on t'accorde, parce que normalement, tu n'es pas appelé à prélever le sang. Mais si, par exemple, tu as trouvé d'autres médecins étrangers avec qui tu t'entends bien, ils peuvent te permettre de prélever le sang, ils peuvent te permettre de peut-être, après avoir consulté un malade, si le malade le veut, ils peuvent te permettre aussi de faire une consultation. Donc, l'avantage, c'est que ça te permet d'enrichir ton vocabulaire. Donc, je conseille généralement aux gens qui font l'hospitalisation de partir avec un calepin parce qu'il y a les mots, il y a les phrases. Moi, en fait, c'est comme ça que j'apprenais. Hein. Il y a les mots, il y a les phrases que tu vois, on répète, ça sonne bien. En fait, voilà, il faut avoir son carnet de voix parce que moi, je ne vais pas maîtriser la langue comme un Allemand. On ne va pas se mentir, voilà. Donc, il y a certaines phrases que tu sais que, OK, c'est si épais, c'est si c'est comme ça. Quand on l'utilise, si un malade se comporte comme ça, voilà comment est-ce qu'on s'y prend. Et c'est les choses que tu vas travailler. Au départ, pour moi, après mes cours de langue, j'ai fait 3 mois de cours, 2 mois et demi, 3 mois de cours de langue ici en Allemagne. Après mon arrivée, personnellement, ce n'était pas suffisant. C'est-à-dire, je suis arrivé du Cameroun avec le B2, déjà le B2, arrivé ici, le B2. Voilà, c'est pas vraiment. Tu parles lentement, c'est un autre allemand que tu suis. Tu vois, moi, je comprenais rien quand je suis arrivé ici. Donc, je me suis même posé la question, qu'est-ce qui m'a envoyé? Qu'est-ce qui m'a envoyé ici dans le pays? Je comprenais rien. Moi, quand je suis arrivé, c'était. Voilà. Après le B2, directement, tu atterris au C1, on te parle de la consultation médicale, tu apprends l'anatomie, certains points en anatomie en allemand et tout, les Oberschenkel, quel tu dis, mais ça, c'est encore quelle histoire, ça ne ressemble pas. Et à côté de ça, on te dit, tu dois aussi retenir maintenant les mots latins aussi, parce que voilà, avec le médecin, tu dois parler en latin, mais avec le patient, tu dois parler en allemand. Tu vois que c'est au début, c'est plein. Bon, après les 3 mois, vraiment, mon allemand n'était pas toujours au top. En fait, c'était pas vraiment, même quand je dis au top, c'était pas vraiment ça. Parce qu'il fallait toujours prendre la peine. Il fallait ouvrir les oreilles, il fallait prendre la peine pour comprendre. Donc, après mes 3 mois de stage, après mes 3 mois de cours de langue, déjà, je croyais qu'après les cours de langue, j'allais composer directement, en fait, comme le DSA. C'est là où j'apprends que non, il y a toute une bureaucratie, il faut attendre, il faut que l'ordre des médecins te donne le rendez-vous, il faut même d'abord qu'ils te disent qu'ils ont reçu tes documents. Et voilà donc comment je dis, OK, bon, je vais faire le Pendant stage. ce temps-là, tu fais Voilà. une hospitalisation. Donc, quand je Bon. comprends bien, c'est une situation gagnante-gagnante. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est pas rémunéré, mais tu as un contrat. Tu apprends à connaître l'hôpital, tu apprends à connaître la structure, tu apprends à connaître comment ça fonctionne. C'est un stage d'observation et d'accompagnement. Donc, tu peux pas vraiment faire quelque chose. Tu peux pas perdre parce que c'est Non, vrai, tu ne perds pas, tu ne tu perds pas, puisque as de tu sais, responsabilité. oui, puisque en fait, tu profites même, je vais dire en quelque sorte, parce que on t'ouvre les portes, si on t'ouvre les portes au quotidien d'un médecin, c'est-à-dire, Vois directement à tu. quoi ça va ressembler quand tu vas commencer à travailler. Exactement, 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 exactement. Donc, moi, après mes 3 mois de langue, j'ai commencé à envoyer donc Les les dossiers, voilà. candidatures, les dossiers. Exactement, Richard, comment est-ce que ça se passe pour avoir une place pour faire cette hospitalisation? Parce que je pense que les places de stage, c'est pas publié. Est-ce que c'est un truc qu'on va Non, c'est pas activement publié. demander à l'hôpital quand on veut faire cela et puis on envoie les dossiers? Comment est-ce que ça se passe? Bon, généralement, moi, ce que je faisais, c'est quoi? Je sélectionnais les hôpitaux par région. C'est-à-dire que je prends une région, je peux peut-être taper sur Google. Sur Google, je vais sur Google Maps. Il y a parce qu'en Allemagne, ça te donne les gros points des villes. Après, il y a les petites villes aux alentours des grosses villes, là, en fait. Et chaque ville, je mets le nom de la ville, je tape hôpital. Ça te donne les hôpitaux et tu envoies ta candidature. Tu envoies ta candidature. Moi, le premier stage que j'ai fait, c'était dans une clinique de réhabilitation. Donc, ça veut dire que tu n'as même pas besoin de le faire dans une discipline qui t'intéresse. Tu veux juste voir à Non, non, quoi non, 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 non. ressemble le travail à Oui, l'hôpital. oui. Non, non, tu veux juste, même dans ta demande, tu dis c'est pour performer ton langage médical, pour performer, pour savoir pour te faire traître, pour te familiariser avec le système Approfondir médical allemand, en fait. la langue, le jargon. Oui. En fait, Voilà.
Ce que j'ai retrouvé sur Internet quand je faisais la recherche pour préparer le live, Uniklinikum Heidelberg, par exemple, en gynéco, si tu veux faire ce genre de stage, par exemple, tout ce qu'ils te demandent, c'était ton diplôme de médecin, ta demande de candidature formelle où tu précises donc combien de temps tu veux faire, ton passeport, et c'était déjà tout. Oui, mais c'est pas compliqué en fait. Oui, c'est vraiment pas compliqué. Donc, tu as dans tous ces dossiers-là, tu mets dans une enveloppe, tu adresses et c'était écrit où envoyer sa demande. Tu envoies et après, soit on va te contacter ou bien après une semaine, si tu n'as encore rien reçu, tu peux appeler pour demander à quel niveau ça se trouve. Moi, par exemple, moi, j'envoyais mes demandes par mail. Pas Et voilà. mon premier stage, en fait, que j'ai eu, parce que j'envoyais, j'avais un CV abracadabra, une lettre de motivation. C'était possible d'envoyer en anglais aussi. OK, une lettre de motivation abracadabra. J'envoyais. Et après un jour, je me suis dit, OK, j'envoie, on fait que me refuser les stages, on ne te répond pas et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, j'allais dans les hôpitaux. Je regardais le nom du directeur de l'hôpital. J'écrivais au directeur de l'hôpital un mail. J'ai envoyé le truc, j'ai envoyé mes documents dans votre hôpital et tout, et tout, et tout. Je suis tel médecin, je veux ceci, j'ai étudié la langue, mais je veux approfondir la langue. Un directeur, il m'a répondu. Il m'a demandé de passer. Et Voilà. voilà comment, lui, j'ai même lâché. En fait, j'ai dit, mon premier stage, j'ai vraiment eu la chance parce que. Ils m'ont fait quand même perdre cette frousse-là. Parce que tu vois, un moment, tu te dis qu'OK, peut-être je ne vais même jamais travailler ici en Allemagne et tout, tu vois. Tu as pu débloquer cette barrière-là. Exactement, exactement. Donc, il m'a appelé il m'a invité dans son hôpital. Ils m'ont payé le transport. Parce que c'est parce qu'il faut dire qu'en fait, certains hôpitaux sont ouverts. D'autres hôpitaux vont vous offrir, peuvent vous offrir l'habitation, peuvent vous offrir à manger. Moi, par exemple, où je fais le stage, on me paye le transport et on m'offre à manger. Mais jamais, ils ne le disent pas. C'est-à-dire que c'est dépendant. Oui. C'est-à-dire que on peut te donner comme on peut ne pas te donner. Ce n'est pas que tu dois avoir ça, en fait. Et le logement n'est pas toujours inclus dans Voilà, le logement n'est pas toujours inclus. Donc, vu que j'habitais loin de l'hôpital, là, il me payait les frais de transport parce que je quittais à l'époque de Brême, je crois, de Brême. Et je partais, c'était une ville peut-être à 1h, 1h30. Donc, là-bas, quand même, j'ai appris comment ça se passe, les bêches-prêches, les réunions avec, désolé, les réunions avec le personnel le matin, comment Oui, est-ce qu'on part voir les malades, comment est-ce qu'on les peut, oui, comment est-ce que les visites, les consultations, tu restes à côté du médecin, et parle, j'écoute. C'était compliqué parce que, bon, tu arrives, les gens parlent rapidement, les nouveaux mots et tout. Tout ça prend du temps pour. Mais comme j'ai dit, ils le savent et ils te demandent de t'écouter. Si tu as une question, tu poses. pose, voilà. Donc, Donc, au début, tu te dis, tu as l'impression que tu perds le temps au début. Tu as l'impression que, OK, je ne comprends même rien pourquoi je parle là-bas. Mais c'est après que tu vois que tu vas aller dans un autre endroit, il y a les choses que tu avais entendues, ça devient un automatisme en fait. Et ça t'aide aussi dans la préparation de ton fast-track profond, parce que Exactement. jusqu'à ce que tu as le rendez-vous, après avoir fait le C1, jusqu'à ce que tu as le rendez-vous pour le fast-track profond, il y a du temps qui Il y a s'écoule. du temps, il y a du temps qui s'écoule. Alors, tu vas aller passer ce temps-là à l'hôpital où tu vas écouter certains trucs, puisque le fast-track profond, c'est un examen oral. Donc, ça ne peut Exactement. être bénéfique. OK. Il y a une question de la mec qui demande avantages et inconvénients de travailler à hôpital universitaire, municipal ou privé. Je vais dire, ça, c'est peut-être une question que docteur Letty peut très bien répondre. Mais moi, je sais que dans les hôpitaux, les avantages dans quel niveau, les hôpitaux communaux, si on part, voilà, au niveau de quoi? Les hôpitaux universitaires restent toujours les best, hein, si on veut classer dans le domaine académique, si on veut parler de la chose académique, en fait, les hôpitaux universitaires restent les best, en fait, si dans le médecin. Dans le suivi, si on dit dans le suivi académique, voilà, si on veut dire ça entre guillemets, mais ici en Allemagne, il faut savoir que ce soit clinique, que ce soit hôpital municipal, que ce soit même praxis, je crois, ils ont cette impression, ont le droit de certains cabinets médicaux ont le droit de former les gens dans la spécialisation. Donc, il suffit juste d'être avec
les bons formateurs et voilà. C'est la différence peut-être au niveau aussi du salaire, peut-être, bon, peut-être que, mais les différences ne sont pas énormes. Donc, au niveau des hôpitaux universitaires, à ce que je sache, c'est peut-être comme partout ailleurs, les hôpitaux universitaires sont réputés pour, voilà, pour être plus académiques, voilà, si on peut dire comme ça. Après, peut-être docteur Litchi a fréquenté ici en Allemagne, elle peut donner une ample réponse à cette question. Bon, comme tu as déjà bien expliqué, Richard, en fait, la même, comme tu as bien divisé, ici, on trouve différents types d'hôpitaux. Il y a les, comme tu as écrit, municipal, universitaire, et puis il y a le privé. Si on veut regarder pour la formation, c'est-à-dire, tu es un médecin interne, tu veux faire ta spécialisation en, je sais pas quoi, neurologie, qui dure un certain nombre de temps. Alors, il va falloir regarder quels sont les hôpitaux qui m'offrent cette spécialisation-là. Dans les hôpitaux municipaux, c'est possible que tu aies seulement la possibilité de faire ta spécialisation pour un certain nombre de temps. Si la spécialisation dure 5 ans, il peut y avoir des hôpitaux qui peuvent seulement t'offrir 3 ans. Et après ces 3 ans-là, tu dois changer pour aller dans un autre hôpital qui va, où tu vas donc complètement finir ta spé, où tu auras le catalogue complet. Dans les hôpitaux universitaires, ça c'est sûr, pour faire, tu peux faire toute ta spécialisation là-bas. Ça c'est déjà le point numéro un. Le point numéro deux, les hôpitaux universitaires, c'est associé à la recherche. Tu sais, ici, en tant que quand tu étudies médecine, tu n'es pas obligé, il y a beaucoup de possibilités de travail. Tu n'es pas obligé de seulement travailler en tant que praticien, c'est-à-dire médecin avec dans la relation médecin-patient. Tu peux aussi faire dans la recherche, dans les industries pharmaceutiques ou alors dans un hôpital universitaire où tu fais beaucoup la recherche. Et souvent, dans les hôpitaux universitaires, la recherche est même obligatoire. Tu dois associer la recherche à ton travail de médecin. Ça fait que la charge de travail dans les hôpitaux universitaires n'est pas souvent petite. Et ce sont déjà, quand tu veux, par exemple, faire dans la carrière, si tu veux faire une carrière de PD, privé docteur, si tu veux faire une carrière de professeur, c'est bien les hôpitaux universitaires. Et à côté de ça, la plupart des fois, les hôpitaux universitaires, ce sont des hôpitaux de catégorie, ou alors ils ont des maternités de catégorie 3. Ça veut dire qu'il y a tout. Il y a ce qu'ils appellent ici Ausgleichsversorgung. Donc, tu as Maximalversorgung, comme ils disent en allemand. Donc, tu as tout ce dont, toutes les subspécialités dont un patient aura besoin. Un petit exemple, dans un hôpital privé, un patient vient avec un accident vasculaire cérébral ou alors un arrêt, un infarctus du myocarde. Et peut-être il faut poser un stent, Richard, un truc comme ça, voilà. Et dans un hôpital privé, ils n'ont pas les Non, capacités. pas forcément. Ils n'ont Voilà. pas forcément la capacité de le faire. Alors, le patient sera transféré dans un C'est autre hôpital. D'accord? Or, exactement. dans un hôpital universitaire, tu as tout ça. Peu importe ce que tu veux opérer, que tu veux opérer le cancer du cerveau, cancer avancé d'un col de l'utérus, tu auras tout ça dans ce genre d'hôpital parce que Ah, ça, ils c'est clair. C'est ont clair. tout. Tu vois, ils ont tout. Maintenant, au niveau du salaire, l'hôpital universitaire où la charge de travail est même souvent très plus énorme, nos salaires en tant que médecin, c'est régulé, on ne négocie pas. Il y a ce qu'on appelle les grilles tarifaires. Les gris, ouais. Les grilles tarifaires où en spécialité, première année, deuxième année, troisième, tu as un salaire qui est déjà bien défini. Et puis, il y aura des variations dues au garde. Alors, ces variations-là, ça peut être plus avantageux, plus onéreux dans les hôpitaux municipaux ou privés comparé aux hôpitaux universitaires. Donc, là-bas, c'est vraiment pour faire carrière, pour faire la Voilà, recherche. comme j'ai dit, voilà, c'est beaucoup plus dans les Donc, chemins académiques, quoi. Voilà. voilà. Et les hôpitaux privés, bon, ça reste d'abord le privé. Et là, il faut faire attention. Est-ce que je suis déjà spécialiste? Est-ce que là, je peux avoir toute ma spécialité et tout? Sinon, c'est toujours bien de souvent changer. Par exemple, j'ai commencé dans un hôpital municipal qui était un peu plus petit. Et là, maintenant, je me trouve dans un clinicum. C'est comme un hôpital universitaire, mais ils n'ont pas, c'est pas, il n'y a pas la recherche. Et là, j'ai la possibilité d'enseigner. J'enseigne, par exemple, les étudiants sages-femmes. Pourquoi? Parce que ils forment aussi les sages-femmes, ils forment les infirmières. Et c'est beaucoup plus grand. Et tu as tout, tu vois tout. Et si tu veux passer par quelque chose comme ça pendant ta carrière, c'est bien. Après, tu peux encore changer. Tu vas dans un autre genre d'hôpital. Donc, c'est un peu ça, quoi. J'espère qu'on a répondu à ta question. Sinon, tu peux nous dire ce qui a manqué. Il y a Sidoine qui s'est connecté. Bonsoir, Sidoine, et bienvenue.
OK. Donc, je crois que Richard, tu as... on continue avec. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, sinon on va continuer avec le second point du live d'aujourd'hui. Non, comme je dis, voilà, je vais expliquer ce que c'est que l'hospitalisation, voilà, les avantages, voilà, tu approfondis ta langue, tu apprends, et tu peux même avoir le poste, parce que c'est aussi ce qu'on oublie de dire, parce que après le stage, il y a certaines personnes, tu peux faire le stage dans un hôpital, et après tu passes ton examen de langue, et tu renvoies, tu as plus de chances d'avoir le poste, donc, parce que le personnel te connaît déjà, et Et voilà, toi, on tu est les déjà connais. habitué. Ça Voilà, voilà, voilà. Voilà, tu sais t'attend. à qui, voilà, tu sais à qui t'attendre et tout. Donc, il y a ces possibilités. Il y a ces possibilités. D'accord. OK, Richard. Et maintenant, on passe à la catégorie suivante qui est l'internat. C'est-à-dire, tu n'es plus en observation avec accompagnement ou tu n'as pas vraiment de responsabilité, mais tu es médecin interne. Et ça, c'est le cas que dès que tu as tombé ouf, c'est l'OPNIS, même si c'est limité pour 2 ans, ou encore illimité quand tu as passé ton KNIS pour fond et que tu as eu ton approbation. Le médecin interne, ici, heureusement, toi, tu as vraiment la comparaison, tu as travaillé au Cameroun, tu travailles ici. Quelles sont les responsabilités, quelles sont les attentes? Est-ce que c'est la même chose? Que dit aux collègues qui nous écoutent? Bon, déjà, ce que je vais dire, c'est l'Allemagne a un système de santé un peu différent du système francophone qu'on a au Cameroun. Donc, si je vais dire ça comme ça, par exemple, moi, quand je commençais à travailler ici, je crois le premier mois, par exemple, j'étais quand même assisté de, voilà, d'un médecin qui avait plus d'expérience, quoi, tu vois. Et tu vois qu'il te montre, tu vois ce qu'il fait, tu vois ce qu'il fait, tu vois ce qu'il fait, tu vois ce qu'il fait. Et voilà, on peut te poser certaines questions, et petites questions, tu travailles, et voilà, tu suis quelques malades, par exemple. Si on est dans un service, on a 20 malades, mon problème est peut-être 8 malades ou bien 6 malades, tu vois. Et après, on vient vérifier ce que tu as eu à faire et tout. Mais après, le deuxième mois, mais c'est toi qui fais vraiment, tu fais tout en fait. Parce que, oui, on va dire dans le permis de travail, tu devrais être assisté de temps en temps d'un médecin supérieur et tout. Mais ce n'est pas toujours le cas parce que s'il y a plusieurs malades, quelqu'un ne va pas laisser ce qu'il a à faire pour venir te contrôler, surtout que tu reçois de l'argent pour ça, tu vois. Vous venez Donc, taper la main. voilà. Moi, au départ, par exemple, je ne faisais pas les échographies. Moi, quand on m'a envoyé, on m'a dit, va faire l'échographie d'un malade. Je dis que moi, je sais qu'au pays, tu vois, tu travailles et tu envoies, voilà, tu prescris, va faire l'échographie et le patient revient, tu vois. Et ici, c'est un nouveau monde, tu te rends compte que, OK, tu dois maîtriser l'échographie, tu dois maîtriser l'électrocardiographie, tu dois maîtriser l'ANSAT et KG, je ne sais pas comment on dit le CG de Longue durée. longue durée, voilà. Et voilà, donc, tu dois savoir interpréter tout ça. Celui qui fait médecine interne, Oui, donc oui, oui, on parle avec le contexte oui. de médecine, Voilà. c'est ce qu'il fait. Voilà. Donc, tu vois, au début, pour moi, c'était... Et tu vois, en fait, on te montre là, voilà comment on fait les ordinateurs, voilà comment on fait, voilà comment on fait. Tu restes là, quoi, tu dis, mais... Tu vois, c'est... Au départ, tu vois que tu vas vraiment... aller puiser au fond de toi pour vraiment te donner à fond. Mais si tu ne pèses pas, parce qu'après, le médecin-chef, lui, veut les interprétations. Et si tu interprètes mal ou bien, tu vois, tu es réprimandé ou bien, bon, pas réprimandé dans le sens où il va te gronder, mais tu sens que tu n'as pas bien fait ton travail et tu dois doubler le travail. Ça fait en sorte que, voilà, tu vas vraiment te remettre en cause. C'est les responsabilités parce que tu dois aller dire au malade. Parce que parfois, tu peux être avec le malade, par exemple, lui va te dire, OK, qu'est-ce que tu vois là à l'intérieur? Si tu ne sais pas, tu n'as pas le jargon, tu n'es pas allé lire ou bien tu n'es pas allé approfondir comment ça marche. Parfois, tu peux même connaître, mais le vocabulaire, si tu n'as pas le beau vocabulaire pour dire, tu peux avoir le beau vocabulaire médical, mais le vocabulaire Du du patient. patient, si tu n'as pas, tu vois donc, c'est des choses que tu dois travailler dès le C'est-à-dire, départ. dans la relation médecin-patient, tu as l'impression que ça gêne, tu te demandes si le patient te fait confiance ou bien Bien s'il sûr, pense bien sûr, bien si sûr, parce bien sûr. Et ça, j'ai que. travaillé, ça, j'ai vraiment travaillé ça parce que, tu vois, au départ, y a certains malades qui vont te dire oui, mais ils n'ont pas compris, hein. Parce que oui, ils se disent que ta prononciation, déjà, n'est pas très axée. Et après, bon, ils ne comprennent même pas très bien.
C'est lors de la visite, avec Qui la grande visite à la grande ronde, tu vois qu'il repose la question qu'il t'a reposée. Et si toi, tu ne fais pas le parallèle pour comprendre que, OK, il ne m'a pas bien En suivi, fait, il n'avait pas compris. voilà. Et à ce moment-là, tu dois essayer de te remettre en question et de travailler, de travailler, de travailler ça. Tout ce que je vais dire, c'est qu'en fait, ça ne devrait pas frustrer parce que c'est un nouveau système pour beaucoup d'entre nous. Et voilà, il faut juste se mettre au pas, en fait. Il faut juste se mettre au pas. Mais les responsabilités sont énormes parce que tu es vraiment responsable d'un malade De sa dès que vie. tu l'as pris jusqu'à la sortie, en fait. Et que ce Oui. soit même dans la lettre, que ce soit même dans la lettre de sortie, tu es responsable de ce que c'est toi le diamant qui signe. Le médecin chevin pour lui Ton signe. nom est en bas. Voilà, ton nom est en bas. Donc, quand ça Téléphone. va chez son médecin de maison, si un truc est mauvais, ton médecin chef va être au courant, il va t'appeler à côté, voilà. Bon, la chance aussi, c'est que bon, moi, là, on a les médecins chefs parfois compassifs au début, ils te rappellent, ils te disent, OK, on m'a fait signe de ça, il faut essayer de corriger ça, il faut essayer de faire ça, il faut essayer de faire ça. Donc. Et c'est les erreurs que, quand une fois qu'on t'a fait on t'a fait le reproche, tu évites que ça se répète et voilà, tu avances. Donc, pour moi, au départ, ce n'était pas évident, ce n'était pas facile, ce n'était pas facile. Mais après, avec le temps, tu vois que tu corriges, tu t'améliores. Tu ne te rends même pas compte, en fait, de la routine. Tu ne te rends pas compte de la routine. Tu vois, Va aujourd'hui, quand il fait des échographies, c'est quand je regarde, quand j'ai commencé par rapport à maintenant, voilà, c'était, voilà, bien. c'est C'est une ça. nette amélioration. Voilà. C'est ça le plus important, c'est de savoir où est-ce que je suis aujourd'hui, comment est-ce que j'étais hier et de s'améliorer, ne pas se comparer à qui que ce soit, mais à toi-même déjà. Et les collègues, c'est pas pour vous faire peur ou bien pour vous, c'est juste pour vous faire comprendre que le système est différent. Parce que ici, comme le docteur Pollock a expliqué, tu examines, les prises de sang, vraiment, c'est rien par rapport à ce. Il y a souvent même des infirmières qui le font. Mais le diagnostic, parce que je sais qu'en France, même en France, j'avais fait un stage en France, c'est pas forcément le médecin qui fait les diagnostics, mais je vous assure, chez nous, en gynéco, tu dois faire les échographies pour les femmes enceintes. C'est toi qui fais les échographies, c'est toi qui fais les échographies gynécologiques, c'est toi qui fais l'échographie des seins, et c'est toi qui fais les échographies du ventre. Donc, en tant que médecin, tu dois également faire ce diagnostic. Tu ne prescris pas pour qu'il aille faire chez le radiologue, sauf s'il y a des scanners. Même les Voilà. scanners, tu dois avoir une notion, tu dois pouvoir regarder Les scanners, tu dois avoir la première interprétation. Quand Voilà. ça arrive sans interprétation. Et Voilà. si tu dois Ça arrive. déjà donner ton première impression, Exactement. et voilà. Exactement. Parce que tout se fait à l'hôpital. Dépendamment, quand on est dans un grand hôpital, le patient descend, fait son scanner. L'interprétation ne vient pas directement. Tu dois être capable d'ouvrir ces photos-là et déjà Voilà. de regarder. On t'envoie l'image, toi le médecin qui le suit, et tu Voilà. ressors les premières images, tu Voilà. dois donner tes premières impressions. S'il y Voilà. a un doute, tu dois directement appeler soit ton médecin supérieur, soit donner un document, une Voilà. prescription. Pas Voilà. attendre forcément que le radiologue écrive, si c'est sous, il Non, fait non, bien. si Donc. le patient fait un anorisme là, tu n'as. Bon, attends. Voilà. Et si tu fais une discipline opératoire, si tu fais chirurgie, si tu fais gynéco, il faut aller au bloc. Il faut Par maîtriser. exemple. Et c'est quelque chose qu'on va t'apprendre, hein, les techniques de césarienne, la paroscopie, tout ça. Ça s'apprend avec le temps, mais ça appartient à ton travail de tous les jours. Bon, juste pour faire court, un exemple, une journée de travail, ça commence toujours par la rente, ça continue avec la visite, visiter les patients, savoir comment ils vont, le traitement. Il faut documenter les traitements. Est-ce que je dois les médicaments? Est-ce que je change les médicaments? Est-ce qu'il a besoin d'autre chose? Bien sûr, tu as un médecin-chef qui est là, c'est un spécialiste avec qui tu prends contact, avec qui tu mais il peut être au bloc. Il peut être bloqué, il peut être dans une césarienne du genre, il peut être dans une situation du genre. Il faut que tu gères. Quand tu es en première année, tu as des collègues qui sont en cinquième année, qui ont plus d'expérience que toi. Tu appelles et tu peux toujours, bien sûr, demander. Mais c'est pour dire qu'il y a des responsabilités. Tu es responsable pour la vie de ce patient. Dès son entrée à l'hôpital, il te confie et jusqu'à sa sortie. Et ce n'est pas une petite chose. Et quand on fait, par exemple, gynéco, tu es responsable pour deux vies quand on fait obstétrique, parce que tu as une femme qui porte en elle un enfant. Et c'est vraiment quelque chose de lourd. Et après ça, il faut un compte rendu au praticien, c'est-à-dire, comme le docteur Pollock a expliqué, au médecin de famille. Il faut faire une lettre. Pourquoi est-ce que ce patient est venu? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on recommande par la suite? Il faut écrire tout ça. Il y a
Il y a des textes préécrits que tu peux utiliser et tu adaptes. Mais il faut faire attention à sa langue, il faut faire attention. Et c'est tout ça, tu rentres. Tu peux, au début, quand on était en première année, tu imprimes tout ça. Parce que quand tu sors de l'université, l'université, ce n'est pas le boulot. Quand c'est vrai, tu as les notions, et tu as déjà fait les stages et tout, c'est différent que quelqu'un qui vient d'un autre pays. Mais c'est pas non plus, tu n'as pas non plus la routine. Donc, ce sont des trucs qui sont possibles, ce sont des trucs qui s'apprennent. Mais il faut savoir que la responsabilité est là et la façon de faire même la documentation est différente parce qu'ici, c'est beaucoup plus électronique. Il y a les différents softwares qu'il faut utiliser. Donc, on écrit moins et c'est beaucoup plus la machine. Et ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Bon, par exemple, chez nous aussi, ils ont carrément pour les lettres, par exemple, pour les lettres de sortie, ils ont donné le dictaphone. Maintenant, tu dois enregistrer. Et je me rappelle au départ, ma prononciation, les dames qui écrivent là, elles m'appelaient toujours que. Elles ont laissé, elles me disent toujours qu'elles ont mis quelques points, oui, parce qu'elles n'ont pas compris, Oui, elles n'ont c'est pas bien compris telle partie, telle partie. Et parlant encore de responsabilité, j'aimerais mettre une parenthèse parce que ici, par exemple, il y a des malades qui ont ce qu'on appelle le patient fait fugue. C'est-à-dire que vrai. ils arrivent, ils te disent qu'ils ne veulent pas être réanimés, ils ne veulent pas être admis aux soins de réanimation, ils ne veulent pas être intubés. C'est-à-dire, si ce malade, par exemple, dès le départ, tu n'as pas pris tous ces éléments-là en compte et que tu l'as hospitalisé et que subitement son état se détériore, tu vas venir intuber. Mais au niveau de la loi, tu te prends une amende. Donc, c'est des petits détails comme ça que tu dois vraiment prendre en considération. Sinon, après, bon, le reste, c'est le suivi du malade normal, les différences au niveau électronique et tout. Mais ici, en Allemagne, ils sont vraiment, comme on dit, pingelisch, ils sont vraiment regardants sur tous les détails, là, tous les détails, tous les détails, tous les documentation détails. Et juridique. voilà. Le côté Pour juridique. les nouveaux, c'est un peu, voilà, pour nous, c'est un peu, voilà, c'est un peu la peine parce que même pour qu'un malade aille faire le scanner, tu dois lui expliquer, il doit te donner son accord signé. Ce n'est pas que tu vas l'envoyer faire, voilà, le scanner, Jamais tu seulement dois lui fait. dire, voilà. Donc, c'est autant de détails à prendre en considération. Et ça, c'est la responsabilité du Du médecin. médecin. Beaucoup de communication, vous vous rendez compte, tu vas beaucoup communiquer, beaucoup parler avec le patient. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Tout le monde aime, il y a des gens qui vont donc préférer faire autre chose. Ils vont préférer faire la recherche, aller en industrie pharmaceutique, c'est OK. Donc, juste pour vous préparer, pour vous dire, il y a beaucoup de communication, les responsabilités dans la fonction des soins changent. Il y a des trucs qu'il faut faire soi-même. Et c'est vrai, certains médecins étrangers, ils font des échographies. J'ai connu une collègue brésilienne, elle est médecin spécialiste, hein. Elle est spécialiste déjà. Elle le fait, elle ne sait, elle savait pas faire les échos. Elle Non, savait non, pas faire. c'est juste, c'est, en fait, c'est Elle juste un, je crois que c'est un dit système, voilà, c'est un système de santé, en fait. C'est un complètement système de différent. santé. Un système de Donc, santé carrément différent. il y a la question de la mère qui. Je vais. Il y a la question de belle amie. Belle amie, ne t'inquiète pas, on prend ta question tout à l'heure. Mais je prends la question de la mère parce que ça va directement dans ce sens-ci. Et il demande les gardes. Combien de gardes on peut faire, minimum, maximum? Ça, c'est une question difficile à répondre. Bon. Personnellement, la loi en fonction des États, la loi en fonction des États et en fonction des hôpitaux. Voilà, moi, par exemple, le mois passé, oui, il y a peut-être eu 5 gardes, par exemple. Ça peut dépendre. Il y a les mois où tu vas avoir 7 gardes. Mais en principe, pour les nouveaux, c'est-à-dire moi, quand j'ai commencé, on me donnait peut-être 2 gardes. Ça dépend, en fait, ça dépend de ton si on a eu confiance en toi, ça dépend de tout. C'est le personnel, bien c'est le médecin-chef, c'est pas qui décide, en fait. Parce que moi, quand j'ai commencé, on m'a dit, voilà, tu es au temps d'essai. Mais mon temps d'essai, avant que mon temps d'essai ne finisse, peut-être 2 ou 3 mois, 2 mois, mon temps d'essai, on m'avait déjà donné les gardes. Donc, ça dépend, en fait, de ta motivation, ça dépend de plusieurs paramètres. Et aussi, il y a un certain nombre de gardes minimum que tu dois faire. Je crois comme dans ça, c'est en fonction du nombre de personnel, en fonction de l'hôpital ou bien en fonction du système. Mais aussi, tu n'as pas aussi fait trop de gardes. C'est-à-dire que tu ne vas pas commencer à faire des gardes juste parce que tu veux te faire de l'argent. Voilà. Parce que la loi aussi réglemente sur un certain nombre de temps de travail que le médecin devra avoir. Voilà.
Dans la mer, tu vois, la question des gardes, c'est un peu compliqué. Au début, tu ne fais pas encore de garde, ça c'est sûr, parce qu'il te faut l'expérience, il faut que tu apprennes à faire certaines choses, parce que la garde, tu es seul, c'est pas comme en Parce que la Guinée. garde, tu es seul, par exemple, tu dois maîtriser le D'accord. défibrillateur, tu dois maîtriser comment fonctionne le défibrillateur, tu dois maîtriser comment fonctionne le moniteur, tu dois. Si tu ne connais pas tous ces détails-là, quand ça, quand les urgentistes arrivent avec un malade là, c'est toi qu'on. En fait, c'est toi que tu te rends compte que c'est toi en fait qu'on envoie. Qu Moi, je m'appelle ma première garde et tout. Les urgentistes arrivent là et tout. On te donne tout le document là et tout. Tu te rends compte que c'est toi en fait, c'est toi qui dois gérer en fait. Regarde Oui, tu es la personne, c'est toi qui dois gérer le cas en fait. Donc, c'est pas quelqu'un d'autre. Tu dois gérer le cas. On t'explique ce que le malade a rapidement et tout. Tu vois que si au niveau de la langue, tu n'as pas les oreilles, même tu ne comprends pas ce qu'on te dit, ou bien tu vois que c'est. Déjà, tu es handicapé sur un certain nombre de points. Et pour ça que ça, il vérifie, il le vérifie, il te suit, il te contrôle dès voilà. le départ. Il peut pas te donner les gardes dès le départ comme ça en fait. Non. Et dépendamment de comment tu t'adaptes, donc ça peut prendre six Ça peut mois, venir. ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 4 mois. Donc, Voilà. tu n'as pas de garde au début. À côté de ça, les gardes, il y a différents types de gardes. Il y a des gardes dépendant des hôpitaux, il y a les gardes de 24 heures, il y a les gardes de 12 heures, il y a les gardes de 18 heures. Les gardes de Exactement. 24 heures, comme tu comprends, tu arrives à l'hôpital à 8 heures, tu es là jusqu'au lendemain à 8 heures. Minimum, maximum. Ça dépend du personnel. Il y a des moments, il faut dire, nous on fait malheureusement une discipline où nous sommes toujours, où je vais dire presque toujours en understaff. Il n'y a pas assez de personnes. Il n'y a pas assez de médecins. Il y a des, c'est sûr, les médecins sont jeunes. Il y a des femmes qui sont en congé de maternité. Il y en a qui ne, qui sont, qui résident. Il y en a qui sont pas là. Et ça fait que quand quelqu'un comme ça chute, quand quelqu'un n'est pas là, le nombre de gardes augmente. Allez, on mange forcément. De façon optimale, c'est 4 gardes par mois. Ça, c'est vraiment optimal. Mais je peux te dire, c'est pas toujours comme ça et ça change. Pour exemple, les derniers mois, j'ai eu à faire 8, 9 gardes. Ce ne sont pas tous des gardes de 24 heures, mais C'est c'est franchement vraiment beaucoup. épuisant, c'est épuisant, c'est C'est épuisant. très épuisant. Et comme Richard dit, la responsabilité que tu as pendant les gardes, ce n'est pas la même que tu as en journée, parce qu'il faut tout gérer. C'est vrai, tu as ton médecin-chef qui est là, il est avec toi. Et la garde aussi, hein, ce n'est pas comme la strength, parce que je sais qu'il y a certains pays où la garde, tu n'es pas obligé d'être dans l'établissement. La garde, tu es là. Chez Tu nous, tu es là, es bien tu éveillé es, tu et es, tu tu, voilà. es là. Donc, il y a des moments où, s'il n'y a pas de patient, tu peux te coucher. Mais chez nous, par exemple, en obstétrique, en salle d'accouchement, quand tu as une femme en travail, il n'y a pas de se coucher. Tu dois être éveillé. Tu dois monitorer ta femme. Il y a des autres patientes qui arrivent. Donc, c'est très rare. Peut-être les gardes de gynéco, tu peux peut-être te coucher s'il n'y a pas de patient. Mais les gardes d'obstétrique, c'est rare que tu te couches. Et comme je dis, ça peut être 4 si c'est bien, ça peut être plus. Au début, tu as une, deux gardes. Et après, quand ça commence à venir, tu en as donc de plus en plus. Donc, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Ça dépend de ton expérience, ça dépend du staff, ça dépend de combien de personnes sont là. Et c'est comme ça que les gardes seront répartis. Donc, on essaie que de faire que ça soit juste pour tout le monde. Ceux qui ont plus d'expérience ont bien sûr un peu plus de gardes. Parce Voilà. qu'ils peuvent mieux travailler seuls. OK, on va prendre la question de Belle Amie directement après. Ça, c'est ceux de l'Union européenne, je crois, ceux qui ont étudié dans un état de l'UE avec le Fachsprachprüfung. Chez vous, chez eux, c'est très facile avec le Non, mais Fachsprachprüfung. c'est le cas de mon C'est collègue facile. camerounais qui a lui l'a étudié en Ouais. Italie. Il a juste fait le passeport pour finir dans l'approbation. OK. Il y a une autre question de Nina Met. Voyons voir. Julien Senguiou va, je suis désolée si je prononce pas bien ton nom. Salut, salut à toi, Julien. Nina Met, bonsoir Nina, elle a une question. Elle a contacté. On lui a demandé d'envoyer CV formulaire, 15 jours, pas de réponse. Est-ce que c'est normal? 2 semaines en fait. C'est En fait, déjà tu les as envoyés, vous les avez envoyés les documents, c'était pour une reconnaissance
Parce que quand je vois là, ça doit être la centrale de Bonn, ou bien, si je ne me trompe pas, ou bien J'ai c'est aussi un truc qui l'impression. apparaît ici. Amina, tu veux peut-être nous dire. Est-ce qu'elle peut entrer dans les détails? Mais généralement, il faut être patient. Il faut être patient parce que c'est en fait, c'est comme je disais tantôt dès le départ, c'est-à-dire le traitement peut changer d'une période à une autre. C'est-à-dire elle n'est pas stable. Richard, Elle n'est si j'ai pas. besoin de moi, je pense qu'à la, c'est la centrale de Bonn, ils ont 4 semaines pour te dire s'ils ont reçu tes dossiers. C'est ça Donc, que je dis en fait, c'est pas ce que tu as encore dans le temps. parce que même à l'ordre des médecins, parfois moi je peux écrire un truc, un message, en fait 2, 3 semaines avant qu'ils m'envoient une réponse. Ce que je veux dire, c'est que c'est en fonction du temps, des demandes qu'ils ont, bien, voilà. Tout dû un peu plus. Par exemple, comme tu as dit, avec Corona, par exemple, on a repoussé beaucoup d'examens, beaucoup de dates d'examen, donc ce qui fait que, voilà. Le traitement, je ne vais peut-être pas entrer dans les détails, mais quand je vois le CV, le formulaire rempli, ça doit être généralement soit pour une reconnaissance, parce que quand Je je vois, ça doit être la reconnaissance de Bonn, en fait. elle commence avec le processus de reconnaissance, je pense, sûrement. Oui, j'aimerais justement entrer dans ce détail-là, parce que j'ai rencontré une Camerounaise, oui, je crois une Camerounaise, et justement, elle a voulu faire la reconnaissance, c'est-à-dire sans passer par le Kenny's Proof. C'est théoriquement, ça existe, mais dans la pratique, ça prend énormément de temps, parce que c'est minimum 2 ans de temps d'attente. Hein? Elle étudiait, je crois, soit en Afrique, soit en Europe de l'Est, je ne sais pas. Ah. Je n'ai pas en mémoire. Venant d'un pays qui n'appartient pas à l'Union européenne, il y a pas de un record comme ceux qui appartiennent à l'Union européenne. Tu dois passer par, c'est presque obligatoire, non, le Kenny's Proof. Justement, non, mais parce qu'il y a certaines personnes, certains rares cas, peut-être de gens, peut-être qu'on a peut-être une autre personne qu'on a pris peut-être au Maroc, comme ça, une personne qu'on a peut-être pris dans un autre pays d'ailleurs, qu'on a pu reconnaître. Mais ça prend énormément de temps. Ici, peut-être après ces 2 ans d'études de dossier, il t'envoie la réponse que ce n'est pas reconnu. Je vois que tu vas encore réenvoyer tes documents à l'autre des médecins. Et ça, Ah, c'est ça. pourquoi en fait, je conseille aux gens généralement de passer directement à la procédure du fâche pas profond et du canis profond, en fait. Oui, elle dit, c'est pour la Pour la reconnaissance. reconnaissance, justement, moi, Et c'est assez de temps, c'est assez de temps. oui, C'est assez de temps. Je d'après sais, moi. c'est faisable, ça existe théoriquement, théoriquement, tu vois, théoriquement, ça existe, mais je crois qu'il y a l'expérience qui compte, il y a toute une documentation qu'on te demande avec avec les matières que tu as eu à faire, il y a tout le catalogue de l'école qu'on te demande, tu dois traduire et tout, tu dois envoyer et attendre. Et donc, ça prend énormément de temps, ça prend énormément de temps. Et genre, il faut vraiment avoir des conseils, des conseillers, des personnes qui suivent, c'est-à-dire il y a des gens qui suivent vraiment ça, certains avocats, certaines personnes, des trucs. Attends, C'est un travail. pour être sûr qu'on parle de la même chose, Nina, est-ce que tu peux nous préciser? Je pense, tu es sûrement dans le processus, tu es en train de préparer ton fach-papoufou et là, tu veux là, une reconnaissance pour avoir le beruf, c'est l'opnis. Ou bien tu es en train de vouloir faire un truc directement pour avoir l'approbation. Je ne sais pas trop. Peut-être elle va préciser. Non, si c'était pour avoir le bureau et l'OMNIS, il devait avoir le nom, il devait avoir le nom de l'adresse mail de l'ordre des médecins. Généralement, ce n'est pas pour ce qu'on envoie les documents. Ce n'est pas parce que tel que j'ai vu son message, j'ai l'impression qu'elle a eu envoyé par mail, en fait. Amen, oui. Elle va seulement nous dire. Ou bien peut-être, je ne sais pas, peut-être elle va rencontrer des détails. Elle va nous dire. Bon, il y a lui, Marie, qui dit les gardes sont réglementés. Ici, au Cameroun, en médecine, lorsqu'on veut te punir, on te balance 3 jours de 4 Oui, on supplémentaires. te balance 3 jours de gaz supplémentaire, mais voilà, d'un point de vue étudiant, on se plaint, mais en même temps, c'est pas si grave. Et ce que je veux aussi dire, parce que beaucoup de personnes m'écrivent, me demandent si est-ce que parfois, s'il n'y a pas la pression, parfois, si on te stresse, hein, parce que les gens veulent idéaliser. Moi, je veux aussi, voilà, un peu lever le voile sur ça. Les gens veulent idéaliser et croire que peut-être ici, tout se passe bien, il n'y a pas de pression au boulot, il n'y a pas. Non, on te stresse. Moi, il y a les jours où tu es stressé, il y a les jours où le médecin chef te met la pression, il y a les jours où tu dois peut-être rédiger, c'est pas cette lettre de sortie, ou bien il y a les jours où on te gronde, il y a les jours où c'est comme ça, tu dois. En fait,
J'ai l'impression que les gens se disent que peut-être chez nous, la médecine au Cameroun, c'est l'enfer, ici, c'est le paradis. Non, tu seras sous pression, tu seras sous stress, tu seras sous contrainte, tu seras face aux certaines personnes qui ne vont même pas t'aimer, te considérer. Tu devras faire ton chemin, en fait, tu devras t'affirmer. C'est comme ça, en fait. Donc, moi, les gardes, parlant de gardes, attention, voilà te couper, parlant de gardes encore supplémentaires, moi, par exemple, quand on demandait de choisir les jours de vacances, on a coché nos jours de vacances. Après, tu vois un médecin qui a plus d'expérience que toi, te dit que lui va aller dans, il veut partir tes jours de vacances. Toi, tu vas faire les gardes à tes jours. Tu fais comment? Tu vas prendre les gardes là, tu n'as pas le choix. Donc, c'est comme ça, en fait. C'est C'est comme vrai. ça. C'est pas toujours rose, en fait, comme on me fait croire, en fait. Ce que je veux dire. La nature de notre travail fait que tu es toujours sous pression, tu dors peu et tu as beaucoup de travail à faire. Le truc, c'est, je pense que la qualité de la pression est différente. C'est une pression un peu très diplomatique. C'est pas le genre, on va te gronder Non, devant le malade et puis on va te dire. non, 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 C'est non, un ça c'est autre chose. peu. C'est diplomatique, mais c'est un stress en fait, hein. C'est un stress. Personne C'est un n'est derrière stress. avec le fouet, mais tu ressens Tu ça. ressens ce stress, tu ressens ce stress. On va pas venir en fait, tel qu'elle explique, je comprends, ça doit être vraiment une étudiante au Cameroun. Ça, c'est ça, je comprends exactement. J'ai fait un stage Voilà. au Cameroun Les et gars supplémentaires, on a eu des gars supplémentaires. Je sais que c'est énervant et tout, parce que tu n'as pas répondu à une question pendant la ronde. Bon, toi là, écrivez son nom, trois gars supplémentaires. Oui, je sais, mais il ne faut pas prendre ça en fait pour dire qu'il n'y a pas le stress ailleurs. Ici, c'est sur un autre plan, c'est plus stressant ici par rapport à la période estudiantine, je veux dire, qu'on vit au pays. C'est ça. Ce que je veux Okay. juste te dire, c'est voilà. D'accord. Il y a Julien. Je pense que Julien, il n'a sûrement pas pris le live au début ou alors il ne connaît pas les anciens posts et sur Dr. Letty parce que ça, c'est exactement ce dont on parlait. Julien, médecin généraliste, veut faire une spécialisation en neurochirurgie. C'est très possible. C'est toute une procédure. Vraiment, je vais juste t'inviter à aller regarder les vidéos qui ont déjà été faites là-dessus. Parce qu'on pourra pas, c'est vraiment long, on pourra pas répondre à ça. J'ai même essayé de faire certains coups de vidéo en la spécialisation médicale, les étapes. Vraiment ça, tu peux déjà commencer par là. C'est une vidéo Mais de moins de... avant toute chose, la langue, en fait. Il faut commencer la langue Ah, déjà. Parce que, comme je dis, les documents, la documentation peut changer de moment à l'autre. Les lois peuvent changer de moment à l'autre. Le type de visa peut changer de moment à l'autre. Mais la langue, elle reste la langue, en fait. Il y a une question de joli cœur, Richard. Merci pour le direct avec une question de l'échéance sur l'ouverture de la frontière allemande. Bon, mais les gens voyagent déjà ou bien? Ça, je pense, j'ai aucune idée. En fait, je sais que le fait qu'il y a le COVID, ça ralentit beaucoup de choses parce qu'on a, par exemple, eu des collègues de la rentrée qui n'ont toujours pas pu commencer parce qu'on n'a pas, ils n'ont pas encore pu avoir leur reconnaissance et tout, mais bien que le fax soit plus fond, ils n'ont pas encore pu commencer à cause de ça. Maintenant, les gens voyagent, est-ce que, je sais pas, Les gens ça. voient parce que je crois que j'ai un collègue de la Norvège, c'est de quel pays? Il est allé en vacances, non? Je crois qu'il prend un avion. Ok. Maintenant, je ne sais pas, venant de l'Afrique, mais je crois même de l'Afrique. Hein. Je ne sais pas, je crois que les frontières sont ouvertes. Bon, je n'ai pas d'ample information dessus. Mais je crois qu'il y a les ambassades. Tu pourrais peut-être aller se renseigner à l'ambassade ou bien regarder sur des sites internet, en fait, ou bien sur En tout cas, Google. moi, je connais des gens qui ont voyagé. À ma connaissance, les frontières sont fermées. Bon, je ne sais pas trop dans quel contexte elle aimerait savoir. Donc. Bon, il y a Nina Met qui a précisé sa question. Elle dit, elle qui avait envoyé le mail dont tu parlais à cette affaire-là. Elle suit des cours de langue. Elle a envoyé un mail où elle expliquait qu'elle est maître algérien. Puis elle demande d'envoyer, on lui a demandé d'envoyer un CV en anglais et un formulaire détaillé à remplir. Ça va, c'est que tu es dans la procédure. Je pense que son problème, c'est le fait qu'on ne l'a pas encore répondu. Non, non, il faut être patient, ça c'est l'Allemagne. Attends 2 semaines. Sinon, tu appelles. Voilà. Tu appelles pour demander poliment à quel niveau ça se trouve. Donc, Vont te répondre, ils vont te on te répond. répondre. 3, 4 semaines minimum, maxi, ils vont te répondre. Tu as 15, tu as 2 semaines, donc je crois que tu peux encore patienter. Et après 4 semaines, tu peux appeler.
OK. Richard, on va continuer. Regarde. Comment est-ce qu'on continue? Les relations avec les collègues et puis les différences culturelles, je crois que ça peut être combiné dans un thème. Ouais. Les relations avec les collègues. Vas-y, Richard, raconte-nous ton choc culturel. Comment Bon, est-ce le système allemand, en fait, voilà, ça dépend, c'est différent de chez nous. En fait, la culture allemande est différente. Ça ne veut pas dire que j'aime pas trop le mot intégration pour dire que je suis intégré, quoi, en fait. Moi, la priorité pour moi, c'était de, est-ce que je peux m'exprimer? Est-ce que le malade me comprenne? Est-ce que les collègues peuvent me comprendre? Quand tu réussis à réunir ces deux points-là, en fait, moi, je trouve que tu as réussi. Tu as fait un pas, en fait, pour le système allemand. Maintenant, le reste, tu vas arriver à ceux qui ne vont pas t'aimer, à ceux qui ne vont pas, voilà, t'apprécier, ou bien à ceux qui ne vont pas. C'est que l'étranger, voilà, l'étranger chez l'allemand, c'est un peu quelque chose de nouveau, surtout de nouveau système médical. En fait, certains ont les préjugés. Est-ce que c'est vraiment la médecine qu'il a étudiée? Est-ce que. Donc, tu vas te retrouver au départ, il y a certains collègues qui vont te poser des questions, entre guillemets, assez stupides. Toi, pour savoir si tu as vraiment étudié médecine, quoi. Tu vois un peu. Donc, ça peut arriver. C'est des choses qui ne devraient pas nous frustrer. C'est-à-dire que les choses que, à la base, tu ne t'attends pas. Tu vois, mais voilà. Il faut te dire qu'il faut garder des objectifs en tête. Tout ce que je peux dire, il faut garder des objectifs en tête. Moi, par exemple, quand j'ai commencé le stage médical, mon premier stage, bon, mon premier stage s'est bien passé. Là, quand même, ils savaient que j'étais nouveau en Allemagne et que je ne maîtrisais pas la langue. Du coup, j'observais, quand on faisait les consultations avec le médecin ou bien le médecin-chef, ça se passait normalement, j'écoutais ce qu'ils avaient à faire. Quand il y avait les points importants, on me disait qu'il okay, faut noter ça, il faut peut-être aller lire, ça, il faut faire X ou Y. Mais il y a certains hôpitaux, tu arrives, voilà, c'est pas toujours cet accueil-là. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on va nous accueillir à bras ouverts ici en Allemagne, parce qu'il manque de médecins, ils vont nous accueillir à bras ouverts, que bienvenue et tout. Non. On a affaire aux êtres humains. Tu vois, il y a ceux qui, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, ne vont pas vouloir travailler avec toi, ou bien ceux que c'est avec le temps qu'ils vont t'accepter. Il y a ceux, voilà, qui ne vont certainement pas te considérer. Ça fait partie du challenge. Et c'est maintenant à toi de prouver, mais c'est à toi de voir te faire accepter. Mais est-ce que quand ces différents obstacles vont se présenter à toi, est-ce que tu devras aussi attaquer ou bien contre-attaquer? Non. Parce que tu es dans, quoi qu'on dise, tu es étranger en Allemagne. Tu es venu en Allemagne pour te spécialiser. Donc, c'est à toi de trouver la faille pour pouvoir t'intégrer dans le système. C'est-à-dire, ne cherche pas à te dire, OK, on ne m'apprécie pas ici. Fais ce que tu sais faire, fais le bien et le reste va suivre. Le reste va suivre. Il y a les collègues, par exemple, au départ, quand tu vas commettre des fautes de grammaire ou bien les fautes dans ta manière de parler, on va se moquer de toi. Si tu entres dans ce statut où tu veux renfermer, ça veut dire okay, on se moque de moi. Non. Moi, tu te moques de moi. Je ris aussi pour amuser la galerie. Je me dis, OK, si ça peut calmer le jeu et qu'ils comprennent que tout ce qu'il est en train de faire là, ça ne me fait rien. Moi, j'avance. C'est le plus important, en fait. C'est le plus important. Et quoi qu'on dise, tu apprends, tu es là pour apprendre, tu dois apprendre de ces personnes-là, de comment est-ce qu'ils se comportent, de savoir comment éviter d'être en conflit avec eux. Parce que, voilà. C'est les gens qui parfois n'ont pas notre culture. Qui n'ont pas notre culture, où nous sommes mauvais, on va venir, on va se dire que tout est amical et tout. Non. Là, tu vois, tu peux causer avec un collègue à l'hôpital. Dès que vous sortez de l'hôpital, vous ne vous adressez plus la parole. Tu dois te dire, vous passez en route, même, il ne te connaît pas. Tu dois te dire ça, en fait, c'est des choses, ça ne devrait pas, en fait, t'étonner. Et c'est des choses qu'on ne dit pas, généralement, à ceux qui arrivent. Du coup, parfois, il peut y avoir cette frustration-là si tu n'es pas, voilà, tu n'es pas préparé à ça. Surtout pour les étrangers, parce que quand tu es médecin étranger, parce que le cadre de docteur Litchi, par exemple, est différent, parce qu'elle elle est, voilà, elle est un peu allemande, entre guillemets, parce qu'elle a été dans le système. Elle était dans le système, voilà, elle était dans le système dès la base et elle est sortie avec eux. Elle connaît comment ça se passe, mais Bon, disons que j'ai nous, mes frustrations en tant qu'étudiante. J'ai eu ce voilà. temps pour apprendre à connaître Voilà.
Voilà. m'attendait et Voilà. c'était moins difficile en tant que travailleur. Parce que quand tu commences à travailler à 25 ans et comparé à quand tu sors de l'université, comparé à quelqu'un qui a 35 ans, qui a déjà travaillé, qui a des enfants, qui a des responsabilités, tu digères moins mal en tant que jeune comparé à un père de famille, ça c'est sûr. Et surtout, il y a des gens qui viennent d'un milieu où ils étaient déjà respectés, ils avaient déjà eu à travailler et se retrouvent dans une situation comme ça, ils peuvent mal digérer. Mais c'est Ben bien c'est comme. clair. C'est clair. Mais comme je dis, en fait, c'est les situations, bon, c'est les situations qu'on va accepter. Moi, il y a les malades, ils vont te poser la question si tu es vraiment cette maman, toi le docteur, en fait. Voilà. Et si tu viens dans la contrariété, si tu viens, t'as dit, parce que le but, c'est quoi? Tu es là pour faire ton travail, en fait. Tu es là pour faire ton travail. Alors, si le but, c'est te laisser amener, parce qu'il y a les malades, tu vas vraiment sentir, tu vas amener la conversation vers une approche conflictuelle. Si tu ne veux pas jouer de ta jugeote pour tirer de profit, parce que, quoi qu'on dise, toi, tu es perdant si tu te comportes mal face aux malades. Déjà. Et tu ne sais pas ce qui peut suivre après. Est-ce qu'on va salir ton CV? Est-ce qu'on va faire X ou Y? Parce que, j'ai même dans les hôpitaux communaux, là, hein, dans les hôpitaux communaux, là, tu vas jamais remarquer que les gens se connaissent en fait dans la ville. Ils connaissent le médecin-chef, ils ont vu le médecin-chef débuter. Donc, toi qui arrives, ne pense pas que tu es arrivé, tu vas révolutionner quelque chose. Non. Tu es arrivé quelque part, mets-toi ta place. Il y a les gens qui vont t'aimer, il y a ceux qui ne vont pas t'aimer. Approche-toi de ceux avec qui tu t'entends bien et voilà. Essaie de faire ton travail au maximum. Ceux qui ne t'aiment pas bien, ceux qui ne t'approuvent pas, c'est comme une pierre que tu as sur ton dos, que tu portes et tout. Tu fais juste ton chemin et tu avances. Le reste, voilà, tu vas prouver. Moi, quand j'ai commencé, il y a ceux avec qui ce n'était pas vraiment ça. Mais avec le temps, peut-être quand ils t'ont vu faire X ou Y, ils t'ont vu interpréter un truc, ils t'ont vu faire un. C'est pas, tu sais, pour X ou pour une raison ou une autre. Le lendemain, ils viennent sourire avec toi. En fait, tu ne fais que prendre et continuer à avancer, en fait. Donc, ça ne devrait pas frustrer. Ça peut être frustrant, mais moi, c'est pour ça que le live est là, en fait. Si vous savez déjà à l'avance, ça peut ne pas toujours être rose. Peut mieux Alors vous avancer. avez, voilà, vous avez plus de chances d'avancer. Bon, je vais juste compléter en disant, on va dire, d'après mon expérience, bon, ça fait peut-être 12 ans que je vis ici, il faut dire, l'Allemand a peur de ce qu'il ne connaît pas, ou alors il craint un peu l'étranger, ce qui est différent. Il y a aussi des stéréotypes. Il y a les idées reçues. Les clichés, oui. Voilà. Et ça peut aussi être le cas pour un Russe ou un Chinois, par exemple, qui, tout ce qui est étranger, ils craignent d'abord ça. Et c'est même pas chez tous, parce que tu remarques, ceux qui ont fait aussi l'étranger, qui ont été dans des pays étrangers, sont un peu plus ouverts comparé à ceux qui sont juste restés là et qui voient et qui entendent certaines choses. Maintenant, quand on se retrouve avec ce genre de cette catégorie de personnes qui ont des idées reçues, qui a des stéréotypes, qui a la crainte, c'est aussi humain de craindre ce qu'on ne connaît pas. Je pense que je ne connais pas une autre population où nous, les Africains, on a cet amour embrassé. Voilà. C'est le travail, non? Tu n'es pas là pour te faire des amis. Ce sont des collègues. Vous avez un but. C'est le travail, tu es là pour travailler, c'est pas pour te, c'est pas tes, tu vas faire les amis après. Donc, si tu t'attends à ce qu'au lieu de travail, tu as des attentes qui ne correspondent pas au travail, tu seras déçu. Pourquoi tu as même d'abord ce genre d'attente? C'est le travail. Tu es là pour l'amour, Non, bien non. l'ami. Non, en fait, je ne veux pas les en vouloir. Moi, je veux dire que c'est naturel, hein, c'est notre culture de. Non, non, je ne veux pas. Moi, justement, je veux pas entrer dans la logique pour dire qu'en fait, on ne devrait pas avoir cet amour-là, en fait. Mais on devrait savoir que l'autre, ce n'est pas comme chez nous, en fait. C'est ça la différence de culture, en fait. C'est ça Voilà. la différence de culture. On devrait accepter ça comme ça. C'est. Voilà. Voilà. C'est ça. Nous, on sommes comme ça, eux, ils ne sont pas comme ça. Et si tu veux vraiment fonctionner avec eux, fais comme le système le veut. C'est Accepte tout. ça et respecte ça. Et Voilà. maintenant, quand je suis devant quelqu'un qui est donc fermé à cause de ses idées reçues, à cause de ses stéréotypes, je fais comme tu as dit, tu gardes tes objectifs en tête, tu fais ce que tu as fait, tu restes poli, écoute-toi. Alors, c'est soit cette personne-là va donc
changer ses idées et se dire, oh, attention, mais ça, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, c'est pas du tout ce que je pensais. Et ne donc pas généraliser, ne pas te mettre dans un tiroir, et va donc commencer à s'ouvrir. Ça, c'est la réaction de normal. Maintenant, il y a d'autres Autre jades que qui... tout monte, tu descends. Oui, et c'est bon. Tu Tu n'as pas à te couper en deux pour les satisfaire. C'est peux OK. pas, tu peux pas. On Et voilà. ne va même pas. Donc, il y a ces catégories de personnes qui sont comme ça et c'est OK, on vit comme ça. Il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on arrive quelque part, il faut, je vais dire, l'expérience m'a fait remarquer, bon, il y a ce qu'on appelle la politique du bureau. D'accord? Nous, on vient, on a peut-être nos mentalités. Non, moi, je suis direct. Non, c'est l'hypocrisie. Je dis ce que je pense. Moi, me Doucement. fais pas ça. Moi, c'est comme ça. Hein. Moi, non. Je suis comme Tu ça. perds, en fait. Tu perds. Non, quand même. Tu perds. Tu es dans un environnement où c'est toi qui as besoin de quelque chose. Besoin de. Ah. C'est pas. Tant que la personne a quelque chose à t'apprendre, tu fermes d'abord ta bouche et tu écoutes, tu regardes, tu supportes. Parfois, on gagne plus à s'humilier qu'à vouloir montrer certaines choses que tu as d'abord. Tu pars où? Non, vrai. Tu es en train de commencer. Dis-moi, on ne me parle pas comme ça. Non, ma chère. Attends, Non. tu vas finir. Quand tu seras donc recherché, quand c'est Cherchez. toi qui va dire non, je ne vais pas Ouais. ici, je ne vais pas là-bas, tu vas faire ça. Mais quand, doucement, calme-toi. Donc, quand tu arrives à un endroit, regarde un peu comment la rivière coule. Essaye d'aller, ne va pas contre-courant. Tu vas te rendre la vie difficile. Respecte l'autorité. Il y a un livre qui s'appelle Les 48 lois du pouvoir. Et la loi numéro 1 dit, ne surpassez jamais le maître. Jamais. Tu vas pas venir celui qui est au-dessus de toi parce qu'il fait quelque chose. Tu vas venir lui montrer que non, là, c'est pas comme ça. Devant les autres, quand même. Non, tu ne peux pas, ça c'est évident, c'est clair, c'est clair. Et je pense que c'est... Même si tu te dis tu as grandi comme ça, c'est comme ça que tu connais. Non, tu vas t'adapter. Vraiment. Pour avoir... Moi, je ne suis pas philosophe de vie ou sociologue ou quoi que ce soit, mais j'essaie juste de vous raconter par rapport à mon expérience. Tu es là pour apprendre. On dit l'apprenant ne parle pas. Il voit, il écoute. Et c'est comme ça que tu apprends. Ce qui ne va pas t'aider, tu laisses de côté. Et le reste, c'est ça que tu prends. D'accord? Et la vie à l'université, peut-être pour les étudiants, c'est pas la même chose que la vie professionnelle. À l'université, on ne collabore pas. On veut être premier. Parce qu'à l'université, quand tu travailles avec quelqu'un d'autre, ça, c'est la tricherie. Tu vas être premier, tu montres que tu es premier, major, machin, ceci. Dans la vie professionnelle, tu connais, tu te tais. Parce que celui qui a plus d'autorité que toi, tu dois lui donner l'impression qu'il connaît mieux. Même si ce n'est pas le cas. Donc, il faut connaître ces petits tics et trucs de la vie. Et il faut avoir beaucoup de diplomatie dans la façon de faire certaines choses. Vous allez remarquer, les collègues, les autres collègues, ils savent exactement ce qu'ils veulent dire, ils savent exactement où ils veulent partir. Mais ils ne vont pas utiliser les mots qui, à quoi t'attends ou... Non, jusqu'à ce qu'on arrive à l'objectif final. Je ne dis pas de tout prendre sur soi et non. Mais je dis, il y a une période où ça va beaucoup plus vous aider de d'abord prendre sur soi, de d'abord supporter. C'est Oh, c'est clair. la C'est sagesse, clair. tout simplement. C'est D'accord. clair. Sinon, Bon. après aussi, si ça se distille partout, hein. T'as dit que il suffit d'un geste, les gars, un geste que tu auras mal posé, tout l'hôpital est au courant, hein, et après, voilà. Même ceux qui avaient de l'estime pour toi, ils te lâchent carrément. Donc, il faut vraiment travailler, beaucoup écouter. Il y aura toujours les critiques, les discriminations, et voilà. Gardez juste l'objectif en tête. C'est tout. Il n'y a pas ton père, il n'y a pas ta mère ici. Il n'y a pas les gens qui sont là pour t'aimer. Bien évidemment, bien évidemment, Ce sont les bien collègues. évidemment. Tu es là à la recherche de quelque chose. Il y aura des frustrations, il y aura des contraintes, il y a des choses qui vont te plaire. Tu mets un sourire et tu continues.
Après, Je... on ne reste pas au même niveau dans la vie. Quand tu auras C'est pas atteint. pour dire que c'est pas facile à digérer, mais bon, Voilà. Quand c'est la tu sais, réalité, voilà. tu peux mieux t'adapter. Quand tu auras atteint un certain niveau, tu pourras donc décider ça, je veux pas ça, je veux pas. Mais tant que c'est toi qui as besoin de quelque chose, T'as pas le choix. à toi avec. Voilà. Regarde, il y a Nina Med, Victoire, qui dit, je comprends pas trop, elle dit, est-ce qu'on peut se débrouiller à décrocher un loyer, sachant que j'ai pas les connaissances proches en Allemagne pour être hébergée, surtout les premiers Bien jours? évidemment, bien évidemment. Elle dit, en fait, tu comprends la question, elle demande si elle peut avoir. Oui, en fait, elle demande si déjà depuis son pays, elle peut avoir un logement ici en Allemagne. C'est possible, non? Ah, C'est ok. possible, Oui, oui. bien sûr, c'est C'est possible, c'est possible. possible. En ligne, c'est possible. Oui. Et elle dit quoi? Un mot sur. Je Ah, existe ou pas? non. Crois Le racisme, existe, non, le racisme existe partout. On a essayé de résumer ce qui se passe en fait. Il y aura la discrimination, voilà. Pas vraiment, ça existe en fait. C'est pas, c'est un peu une théorie à commencer à réétudier en fait. Le racisme existe en fait. Alors. À mon avis, Nina, le racisme est une forme de discrimination basée sur, qu'est-ce qu'on dit, la peau, la couleur de peau, la race, je ne sais pas trop. C'est une forme. Et comme on en parlait tout à l'heure, il y a des stéréotypes, il y a des idées reçues qui favorisent ou défavorisent certains trucs. Et il y a des personnes qui sont tout simplement bloquées. Et quand on leur montre que on est comme ça, on est comme ça, c'est peut-être différent, ils peuvent s'ouvrir. Il y a des personnes qui ne le sont pas et on ne va pas se tuer à les faire changer d'avis non plus. Cette forme de discrimination-là existe partout. Il y a des pays où quand on vient de l'Est, on est mal vu par ceux qui viennent du Nord. Voilà. Dans son propre pays, Et... là, on va peut-être parler de tribalisme, mais c'est aussi une forme de discrimination. Alors, Donc, à mon avis, ce n'est pas quelque chose qui devrait arrêter quelqu'un. L'être humain est comme il est. Chacun à son niveau, avec ses vertus, essaye de faire du mieux qu'il peut, je pense. c'est tout. Ça existe, en fait, ça existe. Voilà. Donc, après. Moi, il y a les facteurs non modifiables. Moi, j'ai un peu parlé de changer quelqu'un. Je peux pas changer quelqu'un dans sa tête qui dit Tourner ceci, ça. ça en physique. Je peux pas. D'accord. OK. Yeah, on va continuer avec Jolie. Concernant la demande de visa pour les cours d'allemand, est-il nécessaire de traduire les diplômes dans son pays d'origine ou en Allemagne? Non, tu peux traduire dans ton pays d'origine. Moi, je conseille même. Mais généralement, il faut traduire, il faut aller à l'ambassade parce que l'ambassade a, il y a les traducteurs certifiés par l'ambassade. Parce que ne va pas traduire ça chez quelqu'un qui dit qu'il est traducteur. Mais s'il n'a pas, si ce n'est pas certifié, là, tu vas recommencer à zéro. C'est Donc, c'est vrai. tout. Donc, généralement, l'ambassade écrit, il y a, bon, quand je demandais le visa à l'époque, il y avait à l'extérieur, il y avait le nom d'un. D'un traducteur reconnu par l'ambassade. Je crois que c'était un Allemand qui est au Cameroun. Je crois qu'il est au niveau de l'ONCAC, un truc comme ça et tout. Donc, tu arrives chez lui, il te fait la traduction et tu payes. OK, la mec, je crois lui. Il se fait du souci pour des trucs dont il n'a pas du tout besoin. De Ben, je crois. La mère n'a pas besoin de ça, vraiment. La langue des signes. Il y a des gens qui s'occupent de ces personnes. Moi, je sais que peut-être dans certains contextes, tu dois être capable de faire tout. Et... Ah, Mais toi, tu es à fond dans l'allemand, hein, mon frère. Tu es à fond dans l'allemand, là. Moi, c'est. il fait des. Moi, c'est l'allemand. L'allemand, là-bas, casse la tête. Si en plus, je sens, je dois encore me concentrer. Concentre-toi sur ta langue générale. C'est-à-dire, en fait, moi, il y a les jours où je me lève, là, mon allemand est vraiment comme ça, là. Hein. Il y a les jours où je me lève, mon allemand, j'en m'étonne. Donc, voilà. Donc, il y a le basique là que tu peux pas oublier quand tu as commencé à parler l'allemand là. Voilà, et c'est tout. Et tu vas juste aller. En fait, à part si vraiment tu veux vraiment être fluide allemand, moi, je veux un allemand qui me permet de travailler, de communiquer avec les gens.
compte. Bah, le reste là, vraiment, c'est. Voilà, après, c'est pour ceux qui veulent. Moi, j'ai pas trop un champion de la langue, en fait. Voilà, c'est vrai, en tant qu'humain, notre cerveau a la capacité d'apprendre beaucoup de choses, mais est-ce que tout apprentissage est nécessaire à ton objectif? Est-ce que ça t'ajoute un plus dans ce que tu veux faire? D'accord, si tu... Je sais En fait, pas. l'homme a commencé à apprendre cette langue-là, en fait. Oui, il parle déjà. Il est, je crois, il est au Bénin, un truc comme ça. Il parle déjà, il parle bien, hein? Il parle vraiment bien. C'est juste pour dire, la main, je veux pas te décourager, mais... Essaie de cadrer, de spécifier ton apprentissage Voilà, pour ce dont tu as exactement. besoin. Parce que si tu es, par exemple, si chirurgien, quand moi je suis au bloc, je n'ai pas besoin de parler. Je dois connaître ce que je veux faire. Je dois utiliser mes doigts. Mais un juriste, celui qui est au tribunal, il doit parler, il doit apprendre certains trucs. Donc, ça, en tant que médecin, tu n'as pas besoin. Si tu as autre chose à faire, si tu veux faire comme loisir ou quoi que ce soit, je ne vais pas te décourager, mais commence par prioriser ce dont tu as besoin. Ça, c'est mon conseil, quoi. Donc, moi, tu peux me commencer à apprendre, à lire les trucs du passeport profond, pourquoi pas. Fais l'anatomie de base, fais les trucs de base là, en fait. Bien Parce que sûr. moi, par exemple, quand je vais faire le stage, je ne sais pas, je vais faire, quand il partait faire le stage, comme on fait peut-être un stage en gastro, je lisais les trucs liés à la gastro. C'est que, OK, le vocabulaire que je dois connaître, c'est quoi? Quels sont les gestes qu'on fait? Quels sont les trucs? Je m'avais sur Google, je tape les vidéos et tu regardes un peu le gastro en allemand et tu regardes tu notes le matériel et tout. Du coup, quand tu arrives, tu fais un truc, on sait déjà qu'OK, ils connaissent que c'est ça, ils connaissent que c'est ça, tu vois, ça les étonne. Et déjà, tu gagnes les points, en fait. Bon, après, la langue des signes, moi, c'est. Non. Il y Faut a des gens, avoir vraiment il de. y a des gens qui s'occupent de ça, d'accord? T'as pas vraiment besoin de ça. Farron qui dit, est-ce qu'il faut encore la langue? Tu as besoin. La langue est incontournable. La langue incontournable. Tu en as besoin. C'est l'alpha et l'oméga, d'accord? Farron, c'est la langue. Maintenant, tu ne pourras pas peut-être parler comme un Allemand, c'est-à-dire que pour nous qui venons là, tu ne vas pas maîtriser ça de fond en comble. Peut-être au début, mais tu peux bien faire ta spécialité en chirurgie cardiaque ou cardio-thoracique. Est-ce que tu connais t'exprimer? Est-ce que tu connais la maladie? Est-ce que tu peux décrire la maladie? Est-ce que tu peux présenter ce cas à ton médecin-chef? Est-ce que tu connais l'endroit que tu vas opérer? Est-ce que tu connais la partie du corps que tu vas opérer? Est-ce que tu connais les organes, les noms des organes? Si tu connais tout ce mécanisme-là, c'est pas parce que tu commets deux, trois, quatre fautes qu'on va dire que tu fais ton travail, en fait. Non, Donc, t'as pas besoin. est-ce que Non, tu non. peux expliquer au malade ce que tu veux faire jusqu'à ce que le malade comprenne? C'est de ça qu'est la question. Donc, Il ne s'agit pas de parler parfaitement, il s'agit de se faire comprendre, de communiquer. C'est ça le plus important. Ce n'est pas parler sans faute de grammaire ou d'orthographe. Non, moi, nous-mêmes, on n'est pas. Moi, je fais toujours des fautes. Donc, le plus important, c'est, dépendant de si tu es un bon médecin. Si tu as la Ah. technique, c'est ce que tu fais, ça ne compte pas, hein, Ça donc compte pas. t'inquiète. Bon, par contre, la nouvelle question, est-ce qu'on peut changer de spécialité? Ça dépend. Tu peux pas commencer chirurgie et tu me dis que c'est en gynéco qu'on va reconnaître tes années de spécialisation. Crois que c'est Ça ne peut seulement 6 pas. mois. Je crois qu'il y a 6 mois qui sont reconnus, ça c'est fixe, mais si tu as fait 5 ans, tu as fait 5 ans, tu es spécialiste en chirurgie et maintenant tu vas aller faire gynéco, tu vas refaire. Tu vas refaire tes 5 ans. Donc on va te reconnaître 6 mois, mais tu vas refaire la spécialisation. Tu peux changer, hein. Si tu veux, si tu L'Allemagne ne ferme pas les portes. veux. Tu peux fréquenter jusqu'à la fin de ta vie ici. Si, ce n'est pas un 5 ans, problème. il n'y a pas Le de problème. seul avantage, c'est que justement, ce n'est pas, tu ne vas pas sur un banc t'asseoir, attendre la fin comme en France. Tu travailles normalement, en fait. Voilà. Après, tu as les objectifs à atteindre et tout. Voilà. Voilà. Ok, il y a Joli Cœur qui te dit merci, docteur Richard. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Richard, je pense qu'on a tout fait, on a tout parcouru. Le Les travail et le fixe. Et le fixe. Et le fixe. C'est toi qui. impôts. Ouais. Parce qu'il faut dire, il faut. Parce que certains arrivent avec la rage là qu'ils vont. Ils veulent travailler tout l'argent de l'Allemagne là. Il n'y a pas de quoi, je dis qu'il n'y a pas de quoi. Donc, non, mais c'est comme je. Comme je. Comme je. Comme je. Comme tu disais, il faut un peu expliquer en fait comment ça fonctionne. C'est que tu maîtrises ce sujet-là par rapport à moi, donc peut-être pour mieux édifier les gens sur cette question-là.
Est-ce qu'ils peuvent travailler dans l'hôpital en même temps, travailler dans un cabinet médical, comme par exemple au Cameroun, où tu travailles à l'hôpital, peut-être, je sais pas, à l'hôpital public, et après tu peux travailler dans un cabinet médical. Qu'est-ce que la loi dit? Est-ce que c'est permis? Est-ce que les spécialisations peuvent être combinées? Est-ce que c'est reconnu, par exemple? Donc, peut-être ce plan-là, Voilà. tu pourrais les vérifier. C'est un bon point, ça. En fait, l'Allemagne, c'est un pays de loi. Il n'y a pas beaucoup de vide juridique. Il y a beaucoup de choses qui sont réglementées. Tout est traçable. Il y a beaucoup de traçabilité à cause de leur digitalisation. Et bon, on va se limiter au contexte de médecin puisque c'est de ça qu'on parle ici. Quand tu travailles, tu as un salaire bien défini puisque, comme je dis, nos salaires, c'est pas, ça se négocie pas. On a notre grille tarifaire et dépendamment de ton année En de grade. spécialisation, tu as un salaire de base que tu reçois et puis il y a les grades qui s'ajoutent. Déjà, il y a ce qu'ils appellent salaire brut, il y a ce qu'ils appellent le salaire net. Donc, le salaire brut est très différent du salaire net. Pourquoi? Parce que les impôts vont être coupés. On coupe des impôts pour tellement de choses. Même le fait que tu n'as pas d'enfant, on coupe l'impôt. Ou bien la solidarité. Le Oui, fait que... l'impôt solidarité. C'est l'impôt solidarité. Attends, tu connais l'histoire de l'impôt solidarité? C'est en fait une dame allemande qui m'avait expliqué. L'Allemand de l'Est et l'Allemand de l'Ouest. L'Allemand de l'Est, à l'époque, c'était pas, Oh il oui, n'était et après pas. la cassure du mur, ils étaient Voilà, vraiment en retard. voilà pour Tellement en aider retard. l'Allemand de l'Ouest à mieux se développer. Il y a une impôt qui a été taxée sur C'est cette vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que je crois que cette histoire-là, jusqu'aujourd'hui, en fait, ils savent reconnaître quand tu es d'Allemagne de l'Est. Ils savent que tu es un peu moins nanti que les gens de l'Allemagne de l'Ouest. Et ils ont un peu ce complexe-là entre eux. C'est, voilà, oui, c'est. Ils étaient plus dans le sport, ceux de l'Ouest étaient plus développés. Mais ça, c'est dans leur tête, ça. Bon, d'après l'information que j'ai reçue il y a 2 semaines, apparemment, ça va être... Ils vont enlever ça parce que ça fait quand même beaucoup d'années. Bon, à part ça, il y a l'église. Donc, ceux qui aiment bien, c'est bien catholique, quand tu es dans l'église, sache que tu vas aussi payer. C'est près de 1 000, plus de 1 000 euros On par mois. te demande pas de, on te demande de, on te demande pas de partir à l'église. Que tu parles, que tu ne partes pas à l'église. Si tu as dit que tu es catholique ici, là. Mais je crois que tu dois avoir un document, non? Tu dois avoir un document, tu dois avoir un document, en fait. On te dit si tu es catholique, tu dis oui, tu es roman catholique, on coche et puis c'est fini. Voilà, exactement. Si on coche à l'Amérique, que tu as dit que tu es catholique, là. Là, Sache c'est. que sur ton salaire, on va te couper près de 100 000. En fait, à la fin de l'année, tu as payé près d'1 million comme ça, juste parce que tu es allé à l'église catholique, bien que tu ne sois même pas à l'église. Voilà. C'est vrai qu'il y a une reconnaissance des impôts après, mais ce n'est pas grand-chose qui te revient. Donc, ce salaire net, les impôts qu'on te coupe, c'est beaucoup. Ça peut être même 30, Voilà, 40% de bon, ton salaire ça, brut. ouais. Voilà, ça, c'est ce côté-là, les impôts. Ça ne se négocie pas, tu ne contournes pas, c'est là. Ça se coupe, on coupe avant même de t'envoyer ton salaire. Ça, c'est clair. Maintenant, Je crois qu'il coupe aussi sur les gardes ou bien. après qu'on ait tout compté, non, les gardes Ok, et ouais. tout, le salaire à la fin, avant de te, et puis tu vois le montant net. Mais tout est clair, hein. Tu peux regarder Non, exactement. tu C'est vérifies, non, transparent. c'est la moindre chose. Il détaille tout Ouais. dans le kit ou dans le, voilà, la fiche de paiement, quoi. Oui, tout est écrit. Maintenant, je sais souvent, en tant que médecin, dans certains contextes, ou alors dans certaines cultures, les médecins peuvent travailler, le gars, il travaille à l'hôpital jusqu'à une certaine heure, après, il part dans d'autres hôpitaux, après, il finit dans son cabinet privé entre 16h et 19h. Ça peut être un peu être compliqué ici de travailler un peu partout pour déjà avoir l'argent, je ne sais pas trop quoi. Bon, peut-être aussi parce qu'on aime ça. Pourquoi? À cause des conflits avec l'employeur principal et le respect du temps de repos. Parce que, en fait, il y a un temps maximal, une durée maximale de travail autorisée et il y a une période de repos qui doit être entre 11-12 heures. Donc, ça fait que tu vois que tu peux pas avoir travaillé chez l'employeur principal, travailler là-bas, travailler si tu es à la maison à 20 heures pour aller au travail le lendemain à 7h30. C'est pas autorisé. Je parle pas des gardes. Quand on est de garde, c'est bien quelque chose de précis. Et là, il y a aussi un temps de compensation qui est respecté. À côté de ça, il y a l'impôt.
Donc, plus on gagne, plus l'impôt est élevé. Donc, on se retrouve dans une situation où à cumuler les boulots et tout ça, à la fin, c'est même pas bénéfique. Parce que tellement l'impôt est haut et on te coupe, tu payes, tu repères les impôts, c'est pas bénéfique. Mais avant tout ça, il y a quelque chose que j'aimerais dire. Si vous avez un travail à temps partiel, c'est autorisé. Tout le monde a le droit de gérer son temps libre comme il le veut. Mais c'est autorisé sous le respect de certains principes. Et ça doit être géré avec transparence. Car votre employeur principal doit être au courant du travail à temps partiel. Et il a même le droit de refuser. Si il y a bien sûr ce problème de conflit ou encore vos compétences au travail. Par exemple, quelqu'un est chirurgien. À côté de son métier de chirurgie, il a encore un travail à temps partiel qui prend beaucoup d'efforts physiques. Ce qui joue sur sa capacité à opérer ou bien de travail après. Son employeur principal peut refuser que tu aies ce travail à temps partiel. Donc, ça doit être clair. Il faut que ton employeur principal doit être informé par rapport à ça. Comme je disais, je donne les cours aux étudiantes sages-femmes. J'ai dû informer mon employeur principal. Il n'y a pas eu de situation de conflit. C'était OK puisque l'école appartient à l'hôpital où on travaille. Il y a les heures des cours, ça peut passer avec les heures de travail aussi. Donc, il faut que ça soit transparent. Il faut qu'ils soient au courant. Il a le droit de refuser, comme j'ai dit. Il a le droit de refuser. C'est ça le problème quand on est employé. D'accord? Il y a ce côté-là. Il y a le fisc à partir d'un certain montant d'un travail à temps partiel. Il faut déclarer absolument parce que le fisc ici peut vous, les impôts, ça peut vous mettre dans de sérieux problèmes quand il y a des trucs que vous n'avez pas déclarés. Vous ne pouvez pas avoir toutes les connaissances sur tout. Il y a un moment où, quand vous allez arriver à un certain niveau, il faut avoir des conseillers de finances. C'est mieux de payer quelqu'un 150 euros pour qu'il s'occupe de certaines choses et te dise ici, il faut faire ça, ici, il faut faire ça, que de vouloir gérer tout parce que ce n'est pas ta spécialité. Il peut avoir certains trucs que tu. Comme il n'y a pas beaucoup de vide juridique ici, comparé à nos pays de provenance, par exemple, où on a tellement de vide juridique que tu peux vraiment faire beaucoup de choses, beaucoup, parce qu'il n'y a pas encore de loi qui réglemente certains trucs. Ici, il y a déjà trop de réglementation. Et je ne sais pas si ça limite ou bien c'est désavantageux ou avantageux, mais c'est un point très important. C'est pas le genre, vous allez arriver, vous allez travailler dans ici, et tu gagnes. Quand tu gagnes, on coupe. Et il faut être transparent avec ça. Et ton employeur principal peut dire non, tu fais pas ce boulot-là. Comme par exemple, tu peux. Je ne dis pas que c'est pas possible de travailler en clinique et à l'hôpital. C'est bien possible, mais il faut que ça soit transparent. Il faut que l'employeur principal soit informé. Il faut que le temps maximum de travail soit respecté. Il faut que le temps de repos soit respecté. Et pour ça, il faut communiquer. Donc, il faut penser à ça Parce que déjà. là, c'est clair, oui. Là, c'est clair. Là, c'est clair. OK. Richard, il y a encore deux trucs pour toi. On a Alexandra. Alexandra Tess, s'il vous plaît. Le Oh, oui. visa, il faudrait une certaine somme d'argent dans le compte. La caution et tout, non. Oui, mais la question, ça s'ouvre en Allemagne. Ça s'ouvre en Allemagne. Je crois qu'il y a la Deutsche Bank. Ou je crois Ah, il y c'est pas a comme les étudiants où tu bloques une somme de. si c'est comme les étudiants en fait tu Mais je bloques crois une somme les de... enfants, est-ce que elle est, je crois qu'elle vient d'un pays de l'Union européenne. Je sais pas, je pense pas qu'elle vient d'un pays. Bon, je sais pas trop. Mais c'est comme pour les étudiants où tu dois bloquer une certaine somme, non? C'est oui ça? oui si c'est la question oui. En tout cas, c'est le cas. Il y a Jolie qui dit. Et comment Oui, elle je est. crois. Je crois. Je crois. Le gérant doit résider en Allemagne, celui qui te suit en charge. Dans ce cas-ci précisément, ou bien. Non, ils ont changé les lois. Maintenant, la personne doit résider en Allemagne, en fait. OK. Je crois qu'avant, ceux qui étaient déjà sur le territoire ici permettaient que certaines personnes de France, mais de Belgique, signent. Mais je crois que même ça, ils ont arrêté, en fait. OK. Le taux de réussite dans le Baden-Württemberg, je
Moi, j'ai pas, je sais pas, Richard non plus. Regarde sur le net, Je ne peux pas. Mais je ne sais pas s'ils publient sur le net, en fait. Parce que je ne pense pas qu'ils publient sur le net. Je peux pas te dire. Peut-être tu peux te renseigner sur si tu connais les gens qui font les cours de langue dans le Baden-Württemberg. Peut-être qu'ils peuvent t'informer. Je ne peux pas te dire exactement le taux de réussite. Mais je vais te dire, les gens réussissent partout. Hein. Il n'y a pas. Tout dépend des sujets. Comme j'ai dit, chaque région a ses sujets et tu dois maîtriser ses sujets, tu dois maîtriser, tu dois connaître en fait les comment, qu'est-ce que les examinateurs veulent. Et ça, tu peux connaître si tu as peut-être fait les cours dans la région, mais si tu connais les personnes qui ont fait les cours dans la région et qui peuvent te donner les informations dessus. Parce que moi, j'ai composé à Mainz, mais je n'ai pas fait mes cours dans le Rheinland-Pfalz. Moi, j'ai fait mes cours à Hanovre. Donc, du coup, je devais juste m'informer dans les groupes sur Internet comment est-ce que les qu'est-ce qu'ils attendent de nous ici, quels sont les sujets, quels sont les trucs et tout. Donc, voilà. Ta préparation était bien adaptée à l'endroit où tu allais Oui, c'était composer. parce que j'ai eu la chance, justement, oui, parce que le cours que j'ai eu après, j'ai eu des très bonnes profs en offre quand même là-bas. Donc, elles prenaient la peine elles prenaient la peine de prendre chacun avec ces différents endroits où il va composer. Parce que nous tous, on n'a pas composé dans le même endroit. Il y a ceux qui composaient à Hanovre, moi je composais à Mainz, il y a ceux qui composaient en Allemagne de l'Est et tout. Donc, elle a vraiment pris. Mais la chance aussi, c'est pourquoi je recommande les gens d'aller dans les écoles où ils ne sont pas nombreux. Ils sont On a 5, ils le temps sont de 6 ou bien 8. Oui, là, on a vraiment le temps de vous prendre un à un. Parce que expliquer. justement, il y a certaines écoles, je ne sais pas citer les noms, mais il y a certaines écoles où vous êtes les 30, 40 en classe, vous payez énormément d'argent et à la fin des fins, vous vous demandez si c'est toujours la préparation que vous êtes en train de faire, quoi. Ouais, c'est comme Voilà. ça, non? Moins la capacité, mieux Non, non. le Moins suivi. il y a de personnes. Et nous, on avait deux profs. Hein. Je crois que généralement, c'est un. Nous, on avait deux profs. On avait un prof de la langue même. Elle venait peut-être deux fois par semaine. Elle venait peut-être faire la langue même. Et le reste, l'autre faisait juste le cours maintenant de médecine et tout le reste, quoi. Donc, c'était vraiment. Nous, on a vraiment eu beaucoup de chance. Hein, C'était on a eu à beaucoup de Hanovre, chance. tu as dit. C'était à Hanovre. C'était à Hanovre. Peut-être tu peux Pense. donner le nom du centre, ça peut peut-être intéresser quelqu'un. Oui, je peux peut-être donner le nom du centre. Voilà, dans le groupe, ceux qui vont aller à nouveau faire le truc, je vais peut-être partager le lien du. Je crois même que j'ai envoyé un lien comme ça dans le groupe une fois à quelqu'un. Donc, Une autre question pour toi, Richard. c'était quoi tes sources de revenus avant ton contrat, la caution? Bon, déjà, moi, je suis venu avec un visa de langue. Avec le visa de langue, théoriquement, tu n'as pas le droit de travailler, quoi. Avec le visa de langue, tu n'as pas le droit de travailler. Donc, moi, j'ai commencé à avoir mes revenus, en principe, quand j'ai fait mon stage de bénévolat à l'hôpital, c'est comme le CHU, voilà. C'est aussi comme le CHU à Hanovre, là-bas, comment on appelle ça? Unique Medizinische Hochschule Hannover. MHH, also, si tu peux essayer de regarder sur Internet, c'est comme un très grand hôpital. J'ai fait un stage de bénévolat là-bas. Et là-bas, on me donnait à peu près 700 et poussière. Et puis, ils payaient ton assurance, ils payaient les autres trucs. Mais bon, ils faisaient ça aussi en parallèle de mes cours de langue. Donc, ça, je conseille aux personnes, généralement, de venir ici avec tous les documents qu'ils ont déjà envoyés. Parce que, généralement, c'est important de dire ça. Si tu viens avec une caution d'un an, et que tu n'as pas eu à faire certains documents, la bureaucratie te prend énormément de temps. Parce que le temps de réponse pour te programme pour l'examen, ça peut parfois aller jusqu'à un an. Parfois. Qui sait? Donc, moi, j'ai par exemple ici, il y a un médecin de la Syrie. Je crois qu'il est ici depuis 4 ans. Il n'a pas encore fait le FSP. Wow, 4 ans. Parce que justement, il a traîné de land en land, il a traîné de land en land. Ce qui le retient même ici, c'est qu'il a eu la chance. Il fait le stage ici dans notre hôpital ici depuis, d'après ce que j'ai entendu, il était là depuis plus d'un an. Il fait le stage. Tu vois, c'est pas le médecin chef femme était indulgent, tu vois, on lui donne Oui, une petite somme pour essayer, il prélève le sang, il aide aussi à faire les trucs et tout. C'est pourquoi je dis c'est très important de choisir. J'ai dit dans le début le critère de sélection de son lieu. Là où tu vas aller faire ton examen, choisis ton lieu, regarde tous les critères. Est-ce que tu as les personnes là-bas? Est-ce que c'est vraiment là-bas que tu veux rester pour un moment? Est-ce que c'est là-bas que tu veux faire tes documents? Avant d'aller et foncer, de rester jusqu'à la fin. Si tu veux commencer à changer de gauche à droite, c'est le temps que tu vas prendre. C'est vraiment beaucoup de temps.
C'est vrai, parce que comme tu as dit, c'est un État fédéral et d'État en État, c'est différent. Et ils ont ce qu'ils appellent le tourisme, quoi là, un tourisme, quoi là, que si, à partir de deux, trois États, ils commencent à communiquer que toi, tu avais dit. Parce que chaque fois que tu redemandes chaque fois que tu refais une nouvelle demande, tu dois dire dans les États dans lesquels J'étais déjà. tu avais à demander. Et ils laissent vraiment l'espace. Ils te laissent vraiment l'espace de remplir ça. Et ils ont un sujet là qu'ils appellent le tourisme, quoi là, le nom m'échappe. Donc, quand ton nom remarque ton nom comme ça, là, ça peut te créer des. Voilà. Je Voilà, vois. ça peut te créer. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Ok, il y a encore une question de Nina. Je pense est-ce qu'elle demande si tu peux faire une formation genre Altenpflege sûrement, sujet âgé, se familiariser avec la langue, poursuivre la langue médicale afin de passer le phage pré-profond. Tout dépend. De comment est-ce que tu arrives en Allemagne, hein, parce que Le type de visa, non? il y a ce qu'on appelle le BE2, justement. Tout dépend de comment tu vas aller là-bas. Si tu vas venir dire au BE2 que tu veux travailler, parce que là, elle dit, je crois que c'est Ausbildung, c'est formation qu'elle voulait dire. La formation pour les attends, parce que là, la formation, tu es payé déjà, c'est différent, c'est un autre chemin. Oui. Si ton visa te permettra donc Parce de faire. que si ton visa te permettra de faire ça, ça c'est une autre question, moi je sais pas. Je Je sais pense. pas. Mais je conseille les gens de faire le bénévolat. Le bénévolat, ça t'aide beaucoup parce que voilà, tu peux être aux urgences, tu prends la pression L'hôpital. artérielle, oui, à l'hôpital, tu prends les mesures, les trucs des gens et tout le reste. Et tu suis les. Parce que moi, en fait, c'était dans la logique de. Moi, je n'étais pas trop de venir m'asseoir trop pour lire les. Parce que les formules, là, tu peux être fort, tu trouves toutes les formules, comment est-ce qu'on conjugue tout ça et tout. Moi, ma motive, c'était d'avoir les mots typiques de l'hôpital qu'on utilise et comment est-ce que les employés facilement, comment m'exercer à la maison, comment. Donc, je simulais moi-même, je simulais les cas et tout. J'essayais de me retrouver dans la situation. C'est comme ça que moi, j'ai appris. Parce que je m'assois vraiment pour suivre ça. Moi, je suivais beaucoup la radio le matin. Je captais les mots, la manière de s'exprimer des journalistes et j'essayais de me rendre au niveau médical, suivre ce qu'on disait à l'hôpital. Voilà, moi je C'est crois que apprendre la c'est la langue. Hein? meilleure, c'est suffisant pour approfondir sa langue en fait. Voilà. De ne pas seulement apprendre le temps où on est au cours, mais Non, d'être non. en lit les. Après, il y a les séries, il y a les séries allemandes, il y a une très belle série, une clinique en Südring, je crois que c'est une très belle clinique. C'est une très belle série, voilà. Voilà, qui te montre vraiment les cas et tu as vraiment, moi je crois que c'est les petits outils comme ça qui te permettent parce que. Dans le divertissement, tu vois les trucs, tu vois les cas, tu vois comment un homme se situe, tu vois comment un médecin parle, tu vois comment on parle d'un cas et voilà, ça te fait vivre exactement la réalité, quoi. Un divertissement objectif. Ça, mais je crois, Richard, je crois que le côté finance, c'est aussi sûrement un problème, hein, parce que pendant tout ce temps-là, il y a sûrement la question de C'est tu te pourquoi gères. je conseille, c'est pourquoi je conseille aux gens, en fait, de demande d'envoyer les documents par poste dès le pays. Parce que l'avantage, c'est quoi? Tu peux envoyer les documents par poste dès le pays et tu peux peut-être donner je sais pas, le code postal d'une connaissance ici qui va recevoir ton document et te dire ce qu'on a dit, ce qui manque. Ça fait en sorte qu'en arrivant ici, lors des médecins ont déjà ton dossier, ils ont déjà ton dossier et dans certains états, parce que certaines personnes ne fouillent pas, parce que quand on met la liste, on demande dans les documents, il faut la preuve d'une correspondance avec l'hôpital. Les gens pensent que correspondance avec l'hôpital veut dire avoir le poste. Non. On veut juste savoir si tu as envoyé des demandes de poste à l'hôpital. Quand tu as dit oui, quand tu as dit non, moi j'ai imprimé juste les lettres là, des refus, les trois lettres des refus. Parce que moi, au début, j'étais dans cette logique que je dois attendre qu'on me donne un poste pour que je puisse passer l'examen. Et c'est donc dans mes différentes recherches que j'ai vu et dit, OK, correspondance veut dire X ou Y. Donc, du coup, moi, j'ai tiré tout ce, comme tous les refus qu'on m'avait déjà envoyés dans les hôpitaux. J'ai envoyé ça et c'est là où j'ai reçu mon rendez-vous d'examen. Oh, cette information-là, quelqu'un qui ne l'a pas, tu vois, il va perdre le temps. Oui. C'est pour ça que je dis, communiquer, voilà, c'est très Je important, disais en fait. dans l'une des vidéos, cours de langue jusqu'au niveau B2 minimum dans le pays d'origine, en même temps commencer la reconnaissance en ligne, on gagne en temps. On gagne en temps. On gagne un Et temps.
question. Avec quel niveau faire le bénévolat? L'hospitalisation, si tu es venu avec ton niveau de langue B2, c'est déjà super. Comme Richard disait, tu peux déjà faire ton hospitalisation. Tu n'as pas besoin du fâche pas plus fond pour commencer à faire ça. Le bénévolat, même avec le bénévolat, même avec le A2, j'ai vu les gens le faire. Hein. Donc, Niveau de langue avec lequel tu bénévolat, viens? voilà. Mais comme je dis toujours, tout dépend, voilà, de du visa avec lequel tu es arrivé. En tout cas, Parce que B2, c'est tu en l'as de. principe, quand tu... Non, non, je veux parler de visa un peu. C'est juste une parenthèse. En principe, quand tu viens avec le visa, ayant déjà envoyé tes documents à l'Ordre national des médecins, tu as le droit de travailler 10 heures, je crois, 10 heures par semaine. Ça, c'est autre chose. Donc, ce qui fait que tu peux maintenant faire un autre job. Mais jamais je conseille les gens de faire le job même dans le domaine qui n'est pas de la médecine, pas d'aller chercher le job pour avoir de l'argent parce qu'après, tu perds vraiment cette notion de l'hôpital-là. Si tu fais pas attention. Ça diminue même votre valeur perçue de façon subconsciente. Tu peux pas être médecin et tu commences à faire les jobs de nettoyage. Attends, il n'y a pas de sous-métier. On ne va pas entrer dans ce débat, mais Non, mais la logique dans laquelle justement le mindset que tu vas garder ne sera plus le même en fait. il faut éviter si c'est possible. Alexa, ça c'est la question. Ça c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. Les remplacements libéraux en parallèle. Comme je disais encore, Alexandra, c'est chacun a le droit d'utiliser son temps libre comme il le veut. Métier à temps partiel, c'est possible sous le respect de deux principes. Transparence avec l'employeur principal, qu'il soit au courant et qu'il n'y ait pas d'intérêt de conflit parce qu'il a le droit de dire non. Et le fisc, dépendant de combien on gagne, les impôts doivent être au courant parce que bon, ils vont réglementer puisque s'ils doivent couper quelque chose ou pas. Donc, c'est bien possible, mais par exemple, si tu es, je sais pas trop, gynécologue dans une clinique et après tu vas dans une autre clinique à côté pour faire les remplacements, si ton employeur se dit non, ça c'est un peu conflictuel par rapport à ce que tu fais chez lui, ou bien si les remplacements que tu fais, tu ne respectes pas le temps de repos, tu ne respectes pas le temps maximal de travail, ça influence sur tes performances au travail, puisqu'il est ton employeur principal, il peut dire non. Et il peut avoir des sanctions par rapport à ça s'il n'y a pas cette transparence et ce respect de cette communication qui peuvent aller jusqu'à la résiliation. Donc, ce n'est pas interdit, mais il faut communiquer là-dessus. Voilà. Bon, la série Est am Süd, die Schering, il y a tellement de séries médicales allemandes, Joli Cœur. Il y en a plusieurs. Donc, c'est quelque chose que tu trouves sur le net. OK. Oui, comme une répétition, je peux écrire ça, je sais pas. Oui, tu peux taper un commentaire. Je peux écrire ça, je sais pas trop. Comment est-ce qu'on écrit ce commentaire ici, hein? Pose tes commentaires en bas. Farhan dit, est-ce qu'on peut faire des stages 6 mois, 1 an dans un pays étranger hors Allemagne pendant le cursus de résidana? Farhan, ça ne. Les stages, tu peux faire des stages quand tu es étudiant. C'est vraiment optimal pour savoir comment ça se passe ailleurs. Maintenant, quand tu es résident, quand tu es interne, quand tu es médecin en spécialisation, comme ils disent ici. Si tu es libre, tu peux prendre du temps, dépendant de ton contrat, il faut parler avec ton employeur pour aller ailleurs faire quelque chose dans un autre hôpital. Mais le truc, c'est que ça va t'apporter quoi? Déjà, ça ne sera pas compté pour ton temps de spécialisation. Donc, ça veut dire, si tu fais une spécialisation de 5 ans, tu vas faire 1 an ailleurs. Ce ne sont pas ceux qui ont ton contrat de spécialisation. Tu vois, c'est bien pour toi, pour ton expérience dans un autre pays, mais ça ne va pas compter pour ce temps-là. À côté de ça, est-ce que ton employeur principal garde ton contrat pendant cette année sabbatique ou alors cette année que tu es en train de passer dans cet hôpital-là ailleurs? Mais si tu n'es pas encore en spécialisation, super, tu peux vraiment essayer de voir comment ça se passe ailleurs. Mais si tu te dis, bon, j'ai envie, ça ne me dérange pas de perdre 6 mois de spé, si je reviens, je vais chercher un autre travail ou bien j'ai arrangé avec mon employeur principal mon contrat. Là, quand je reviens, je continue. C'est OK. Mais aller travailler en Allemagne, aller en Belgique faire 1 an, ça ne va pas compter dans ton temps de spécialisation parce que ton contrat n'est pas avec cet hôpital-là. Ça, c'est pour toi perso.
Ah, bonsoir, Eric. Eric menacé. OK. Ah, regarde, il y a une autre question pour toi, Richard. Ok. Je sais pas si mon commentaire il est arrivé ou quoi. J'ai mis la série là. Elle a reçu, c'est arrivé ou bien? Non, c'est pas arrivé. Sais pas. Ah, j'ai écrit en private. Ok. Ok, tu vas mettre chat. Mais en commentaire là, ok, je ne sais pas. Ça Tu as ne. mis un commentaire privé. Tu peux Oui. mettre en public. Justement, en public, je sais pas. Ça ne m'affiche pas où je peux mettre en public là. Ou bien. Comme tu utilises le téléphone, tu peux m'envoyer ça par WhatsApp, je vais copier et remettre. Allez, esclave. Quel type de job peut-on décrocher avec un job pas loin de la médecine? Oui, bon, il y a les... Il y a la maison de, il y a la maison de retraite, il y a les cliniques de réhabilitation, il y a les hôpitaux même. Même dans l'hôpital, tu peux avoir un job à l'hôpital. Les gardes. Par exemple, si tu es médecin, que tu as fait tes cours de langue B2, C1 médical ici, tu peux postuler si tu as envoyé tes documents à l'ordre des médecins, ton statut te permet dans les jobs de 10 heures par semaine qu'on te donne là. Tu peux poster un stage à l'hôpital, un poste à l'hôpital, par exemple, comme aide au bloc opératoire. Et l'État peut en ce moment-là te prolonger même ces 10 heures-là, parce que c'est dans le domaine de la médecine. Donc, tu peux avoir même jusqu'à tes 1 000 euros par mois parce que c'est un travail, c'est un job que tu es en train de faire. Parce que beaucoup ne le savent pas. La loi dit, tu peux travailler 10 heures de temps. Quand tu as reçu le Aingabeshanigun là et que tu allais prolonger ton séjour, c'est-à-dire que tu as un séjour le 17 et qu'il te permet de travailler 10 heures. Le 10 heures par semaine, c'est les 10 heures que si tu fais un job de n'importe quoi en fait. Mais si tu vas trouver un job dans le domaine hospitalier, peut-être aide au bloc opératoire, c'est toi qui vas retirer les pinces, c'est toi qui vas peut-être prêter le matériel comme ça. Tu peux avoir un job normal où tu as tes 1 200 euros, tes 1 000 euros. Et tu vois que tu as avantage parce que tu as le domaine médical. Et si tu réussis maintenant ton fâche, tu peux avoir le poste en plus. Donc, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de trucs que Beaucoup. tu peux faire en tant Tu peux que... postuler en tant que, tu peux postuler en tant qu'infirmier. Si Oui. tu peux t'exprimer, tu peux postuler dans plein de trucs, bien sûr, en attendant. Maintenant, tu ne seras pas reconnu comme tel, mais tu seras peut-être aidé pour faire X ou Y. Mais tu es dans le milieu hospitalier. Ça t'évite d'aller, peut-être, c'est pas, faire les jobs dégradants, entre guillemets. Voilà. Parce que quoi qu'on dise, vous ne parlez pas la langue, vous êtes médecin. On va Moins pas. valorisant qui n'a Voilà, on ne peut pas vous enlever, on ne peut pas vous enlever votre titre de médecin. Ça, c'est clair. Parce que vous allez parler la langue, vous ne parlez pas la langue, vous êtes médecin. Ça, c'est. Voilà. Parce que tu ne vas pas mettre un Allemand dans un système où on parle le français, il va s'en sortir facilement. Donc, c'est le même contexte, en fait. faut pas oublier ça. OK. Lionel, merci Lionel. En fait, Lionel et Eric, ce sont des camarades de très longue date, de bons amis. On a fait le lycée ensemble, la OK. cité au pays. Ça fait du bien. Merci vraiment que c'est super. Regarde, il y a Nicolas. Tu te rappelles celui qui faisait cardio au Burkina, qui Oui. c'est là, sans du 4 ans. Il demande si c'est mieux d'attendre la fin de sa spé ou de continuer la procédure avec son diplôme de généraliste et une fois sur place faire l'équivalence de la spé. Je pense qu'il veut faire. Moi, je conseille qu'il t'ait mis sa spé, en fait. Et là, il va faire une Moi, je sous-spé. conseille qu'il. Parce que je crois que ton objectif premier, c'était de faire une sous-spécialisation. Là, tu es déjà à un niveau, tu as commencé ta spécialisation, donc vaut mieux terminer. Ce sera mieux. En fait, Et moi, après, je vois pas pourquoi il devait arrêter sa spé, en fait. L'avantage, c'est lequel? C'est vrai. Ça sera encore un peu plus long ici pour lui. Oui, Et l'avantage, c'est il lequel? va faire une sous-spécialisation parce qu'en cardiologie, il y a tellement de trucs Tellement de de trucs à apprendre, voilà. sous-spécialisation que qu'on ne retrouve même pas partout. Regarde par exemple ce médecin au Ghana. Il a étudié en Allemagne. Il a créé le premier centre Herz-Zentrum, centre cardiaque au Ghana où ils font
les cathéters, hein. C'est vraiment super. Ça, quand tu as une artère coronaire bouchée, il y a des gens qui se retrouvent en train d'aller là-bas parce que c'est quelque chose qu'il a apporté, c'est une innovation. Voilà, et il peut former les gens directement sur le terrain et tout. Directement, Parce que super. le but, c'est ça, voilà, parce que suffit pas juste de pour ça, je dis l'objectif, c'est lequel? Alors, si tu es spécialisé en Burkina Pas de Faso. commencer la procédure de sous-spécialisation, je crois, c'est ce qu'il veut. Pourquoi? Il commence à se procédure de sous-spécialisation sur place. Il n'attend pas de venir, d'après ce qu'il a précisé. Non, il faut qu'il sache qu'il va arriver ici en tant qu'audiologue. La procédure, c'est laquelle? Il va prendre les cours de langue, c'est-à-dire qu'il sera mélangé avec les généralistes. Là, il va faire ses cours de langue normalement, faire son FSP. Maintenant, envoyer son diplôme de spécialisation à l'Ordre des médecins ou à la centrale à Borne. Mais ils vont pas reconnaître totalement parce qu'il y aura certainement les choses que tu devras faire. Parce que est-ce que le catalogue est le même? La C'est ça qu'ils reconnaissance, regardent en fait. c'est passé. Jusqu'ici, C'est c'est ça, passé. c'est ça. C'est Voilà. C'est le catalogue qui devront maintenant regarder s'il y a le manquant. Donc, en venant ici, en venant faire la sous-spécialisation ici en Allemagne, tu devras apporter tout ton cursus, c'est-à-dire les détails de ta spécialisation, de ta façon détaillée, en fait, le catalogue du Burkina. Ils vont comparer vos catalogues allemands, ils vont te dire, OK, il reste ça à contrôler. Et c'est mieux de faire ça avec ton diplôme de spécialiste cardiologue que de le faire avec ton diplôme de Comme généraliste. généraliste. Voilà. Tu rentres deux pas en arrière. Voilà. C'est clair. Parce qu'il ne faut pas oublier, même le généraliste ici, il y a des gens qui peuvent arriver en étant généraliste. Ils décident, OK, je ne veux pas faire le FSP. Je ne veux pas faire le Kenis Prüfung. Ils veulent repartir à l'université. Ils ont la possibilité de commencer peut-être en cinquième année ici. Il y a donc, c'est juste que, bon, après, moi, tu demandes, qu'est-ce que je vais repartir à la fac? Sachant que je ne maîtrise pas très bien la langue, que tu n'as pas été, c'est encore tout un autre stress. Donc, c'est pourquoi il faut prendre tout ça en considération, quoi. Ok, Richard. Je pense que tu inspires beaucoup, vraiment beaucoup, plus d'un. Il faut qu'on vienne te chercher de plus en plus, que tu viennes raconter ton expérience et tu dis Non, je ça. fais ça bien. C'est juste le. C'est juste le temps de l'organisation. Moi, je fais ça gain. Comme je dis, je partage parce que on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup de la communauté francophone, je veux dire. On n'en parle pas beaucoup. Et voilà. Mais il y a les informations. Il faut juste avoir les informations. Il n'y a rien de mystique. C'est un peu compliqué. Ce n'est pas toujours évident, mais bon. C'est faisable, en fait. Tout ce que je veux dire, c'est faisable. Il n'y a pas. Et tu as tellement, surtout la vidéo de 2 heures où tu as expliqué sur live avec où ils vont aller chercher les informations pour le pour voilà l'ordre des médecins et tout le reste là. Quelqu'un qui prend moins le temps, il a sur ta chaîne, il a presque tout ce qu'il faut pour voilà pour après bon les nouveautés peuvent venir, les petits détails et tout, les petits détails et tout. C'est pourquoi je dis il faut chercher un land, se concentrer sur le land de là. Et avoir tout ces. Comme par exemple dans le SN, on ne faisait pas le Fach Pas Profond. Mais ils vont commencer à faire le Fach Pas Profond dans le SN. Dans le SN, les gens faisaient quoi? Ils composaient, parce qu'il y a le C1 médical que tel qui peut organiser par exemple. Et certaines personnes, c'est quoi? Ils ne voulaient pas faire le Fach Pas Profond à l'Ordre des médecins, parce que l'Ordre des médecins, tu es directement avec les médecins, quoi. Oh, dans le tel que là, c'est les évaluateurs, comme un peu comme le Goethe, quand tu fais voilà, et ils t'évaluent et après tu réussis. Donc les C'est ça. gens court-circuitaient et ils partaient donc. Ce qui fait que tel qu'a dû ici l'examen et encore que tel qui n'était pas accepté partout. Parce que je crois que c'est ce que le collègue là a eu à faire ici, justement. Il a pris un tel que, et il allait à tel qu'avec dans un autre land et ça a tardé, tardé, tardé. Il a donc quitté du avec le tel qu'il est allé dans d'autres lands. Oh Il s'est là rendu compte qu'on n'acceptait pas ça là-bas, en fait. là. Oui, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que tu peux donc travailler avec ça dans un autre Bundesland? Il n'y a que Essen et peut-être Saarbrücken qui acceptent, voilà. Qui acceptent encore, voilà. Donc. C'est à propos le land, comme voilà donc la question qui revient.
un conseiller, un land où il peut commencer, peut s'installer, côté réussite des examens, niveau de vie. C'est comme Dr. Pollock a déjà dit, c'est Il difficile faut à faire. prendre les critères. Moi, en fait, quand j'ai fait mon poste dessus, j'ai dit les critères. Parce qu'on ne peut pas te dire, prends le land ici, ne prends pas le land là, en fait. Les critères, c'est de un, est-ce que tu connais quelqu'un dans le land, c'est tout, ou bien de connaître quelqu'un dans le land. Savoir dans quelle ville exactement tu vas, t'informer sur la ville, de savoir quelle est la procédure. Parce que, par exemple, ceux qui viennent du Cameroun, qui veulent peut-être partir faire la reconnaissance d'un Niedersachsen, ils doivent savoir qu'il y a ce qu'on appelle l'apostille. Or, le Cameroun n'a pas signé des conventions d'apostille avec le Niedersachsen. Du coup, leurs documents doivent repartir à l'ambassade d'Allemagne au Cameroun, être traités. Et ça peut peut-être faire 6 à 8 mois pour que ça revienne à l'Ordre national des médecins dans le Niedersachsen pour qu'ils travaillent encore sur ton truc, sur peut-être 6 mois encore avant que tu aies avoir un rendez-vous. Donc, tu vois que si tu n'as pas cette information-là, si déjà tu n'as pas cette information-là, tu seras déjà écarté. Donc, il faut regarder toutes ces catégories. Maintenant, le coût de vie, ça, tu peux te renseigner sur Internet, tu peux te renseigner sur tu peux te renseigner sur. En fait, il est toujours bien d'avoir quelqu'un sur place. Si tu n'as pas quelqu'un sur place, tu cherches le groupe du FSP sur Internet, parce qu'il y a jamais les groupes pour Hanovre, il y a les groupes pour Mainz, il y a les groupes pour X, pour Y, en fait. Quand tu as commencé la langue, tu t'inscris dans ce groupe-là et tu auras les informations. Tu peux traduire en français sur Facebook et tout le reste, en fait. Ok, joli que ça. J'ai répondu. Le nom de la série, c'est Clinique en Zutring, c'est sur le net. Et elle demande les écoles de langue. Tu as dit, tu vas mettre sur le groupe Facebook. Oui, attends, mon école de langue, là, le nom m'échappe, Oh, ça ouvre là. Attends un peu. Je ne sais pas si je peux taper ça sur. Oui, tu ouvres juste un nouveau browser. Celui-ci, alors finalement, je ne sais pas ce qu'il veut. Regroupement familial, spécialisation, je ne sais pas trop où il nous amène, en tout cas. Moi, je ne peux pas maîtriser tout le système allemand. Hein. Bon. D'abord l'aspect et après le reste. Ça viendra. Donc, bon, tout le reste, c'est les procédures normales, non? Regroupement familial, que tu sois médecin, que tu sois quoi, je crois que la procédure reste la même. Non, moi, je ne connais pas, je ne maîtrise pas, mais je suppose que c'est la même, en fait. Ça, c'est un autre thème, non, complètement. Donc, Voilà. si tu veux faire la procédure de regroupement, il y a des conditions qu'il faut remplir. Il y a un certain salaire qu'il faut avoir, il y a certaines charges qu'il faut avoir ou ne pas avoir. Il faut avoir un logement, tout ça. C'est une autre procédure. C'est une autre procédure. C'est possible, bien sûr, mais c'est une procédure. Il faut s'informer là-dessus. OK. Richard, je crois que. Oh, il y a autre chose qui est venue. Je croyais qu'on avait fini. Combien de temps la formation en soins infirmiers? C'est 3 ans. Formation en soins infirmiers, c'est 3 ans. C'est vraiment super intéressant parce qu'ils ont un salaire. C'est la même chose que les étudiantes en sage-femme. Voilà. Et c'est une formation pratique. C'est pratique théorique. Donc, ils ont les cours à l'école et ils sont à l'hôpital. Et dès la première année, ils ont un salaire qui augmente. Sinon, je pense à faire aussi un truc là-dessus. Je vais vous tenir informé. Mais là, on va donc chercher quelqu'un qui a fait cette formation-là, qui va donc vous donner les informations exactes, surtout par rapport aux démarches. Parce que quand on vient avec un visa, par exemple, depuis le pays, c'est pas. Je pense pas que c'est direct comme ça qu'on peut envoyer les demandes pour la formation en soins infirmiers. Parce que est-ce que tu viens avec un visa étudiant, tu viens avec un visa cours de langue? Là, il faut avoir le visa correspondant. Mais là, je suis en train d'organiser quelque chose et je vais vous tenir informé. Sinon, c'est 3 ans et c'est rémunéré. Donc, on vous paye déjà pendant la formation et avoir le boulot, c'est pas du tout un problème. OK. Je pense qu'on a fini. Merci encore, Richard, vraiment. Non. Merci pour ton temps. Je sais que tu es de Il n'y a garde. pas de quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. il va falloir qu'on te laisse aller dormir. Ouais. Demain, la journée sera longue. Oui, vraiment, merci d'avoir mis du temps, bien que
tu dois aller travailler. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. OK. Bon. Le nom de l'école de langue, c'est... Oui. Non, je suis pas en train de trouver un moment. ISK. ISK. Hanovre, t'as dit. ISK. OK. Ah ouais, voilà ça. Je passe le lien. Je n'ai pas ce lien alors. Attends, Non, je vais. ici, attends. Faut pas passer une mauvaise école de langue. Ah, tu n'es pas sûr. OK, regarde alors. Oui, je suis pas très sûr. ISK. Bon, je vais regarder ça. Regarde ça un peu rapidement là. Ouais, c'est sûr, c'est ISK Nova. ISK. D'accord. Bon, voilà le lien, joli cœur, pour l'école où Voilà. Richard a eu une bonne expérience. Mais il faut préciser que ça fait combien de temps, Richard? Ça fait 2 ou 3 ans, n'est-ce pas? Donc, t'es pas sûr sur les choses. Oui, mais je suis en contact toujours avec le. Je suis toujours en contact avec mes enseignantes, hein, avec mon enseignante là. Je suis toujours OK. en contact avec elle. Ouais. D'accord. OK. Bon. Donc, On va vous laisser. bon. Je crois que là, tout ça a été dit. Donc, Je pense pas. il y a eu assez d'informations. Le Je live, le live est sur ton YouTube. Donc, ils pourront revisiter ça. Et pense vous vont pas. voir. Ouais, Donc, donc. c'est ça. Vous voyez, un live de 2 heures où on a Et répondu après, comme tu connais le fait, tu peux découper en plus en petit. partie. Ouais, je trouve ça, c'est une très bonne actu, hein. Ça c'est une belle actu, ça. Hein, tu peux vraiment découper ça en partie. Après, tu postes sur ta page Facebook, ils pourront peut-être regarder après, quoi. Oui, peut-être Donc, encore moins de vidéos. Peut-être, bon, il y a des gens qui n'aiment pas regarder les longues vidéos, je ne sais pas, mais quand on est à la recherche d'une information, là, c'est oh, peut-être voilà. avantageux. OK. D'accord, ok. On vous souhaite à D'accord. la nuit. On va souhaiter au docteur Pollock une Ok. bonne garde demain. Bye Bonne garde à tous. Bye bye. bye.